Bon Dieu. Appon et Dietrich, ils sont pas morts. Leurs signaux sont très faibles, mais il y en a encore... Alors viens avec moi, on va les chercher. Va chier. On va pas les laisser crever là-bas. Ça, il n'est pas question que je sors de Y'a rien à faire. Ils pas. sont foutus. C'est trop tard. Ils ont déjà pendu des œufs dans leur corps, ils sont fichus. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, mec, faites que ce soit pas... C'est vrai. vrai. Non, c'est une blague pourrie, mec. Hein, que c'est une blague. On doit avoir sept barils de gaz cn N20. Je propose qu'on les balance dehors et qu'on gaze tous ces putains de nids. Oui, on peut essayer, mais sur eux, peut-être que le gaz est inopérant. Moi, je vous dis, barons-nous et que c'est qu'on se démerde entre eux. Regardez le temps qu'on perd à bavasser. Je dis qu'on doit décoller et faire sauter toute la station avec une charge nucléaire. Là, on sera sûr du résultat. Salut mes petits xénophobes. Oh là, j'ai failli dire xénophobe au lieu de xénomorphe. On va la refaire. <rire> <rire> non, Salut mes bien petits bien xénophobes. Ça, je la laisse. Hein. Franchement, je vais la laisser. Je suis désolé. Mais... Salut mes petits xénomorphes et bienvenue dans La Saga, un podcast qui est un peu comme des vacances à la ferme. Je suis Sofiane et Zoltan n'est toujours pas là puisqu'il sert de doublure numérique à Marc Camille du côté de Disney. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière. Cette semaine, je vais vous parler d'Alien, le retour de l'ami James Cameron, sorti en 86. Et je me suis rendu compte que c'est la première fois que l'on va parler de James Cameron dans ce podcast, et sûrement pas la dernière. Pour m'accompagner, il est derrière Histoire brève sur sa chaîne YouTube, où il parle entre autres d'histoire contemporaine, de géopolitique, de musique. Bienvenue, Dave Sheck Bonjour. Alors, Bonjour. Parler, parce que ça doit faire un bon deux ans que j'ai pas fait de vidéo et j'ai pas l'intention d'en refaire d'autres. Putain, oui, ça manque. <laughs> <laughs> ah ça Après, fait deux ça... ans, je même pas remarqué. Ouais. Oui, bah, moi non plus. C'est en allant checker un truc sur ma chaîne que je me suis rendu compte que ben, euh, ouais, ça fait deux ans là officiellement. La dernière vidéo était en 2020. Mais c'est pas pour autant que je fais rien. <laughs> pour le coup sur Internet, là en ce moment je, je produis un podcast qui s'appelle Déraciné, où on parle euh, avec des enfants d'immigrés de leur rapport à euh, leur double voire euh, triple culture. Et j'ai des petits projets de fiction aussi euh, dans les cartons, mais euh, voilà, ça c'est encore dans les cartons. Cool, on demande à tous nos invités... Quelle est ta saga préférée en dehors de Star Wars <laughs> On précise à chaque fois parce que les gens répondent <laughs> toujours Star Wars. Alors j'en ai deux euh, que j'arrive pas à départager et euh, je pense que euh, certains auditeurs, notamment les plus élitistes, vont peut-être s'arracher les cheveux. Euh, la première c'est Alien pour le coup, là on est dans le classique. Et la deuxième ouais. c'est Fast and Furious. Ouais <laughs> La famille La famille Méga respect, mega respect. <laughs> Ah, voilà. ok, ouais. Et, et, et dans mon cœur, je les mets vraiment à la même hauteur pour le coup. Bon, bah, ben on sait qui est invité quand on tombera sur Fast and Furious, alors c'est bon. Ah, ben clairement, tu m'appelles, t'appelles Vesper. Euh, on, a, on a... Ouais, Vesper, je sais déjà, t'inquiète. Vesper, je suis déjà au courant. <laughs> et euh, qu'est-ce qu qui te plaît à ce point dans la, dans la saga Fast and Furious Parce que je crois que c'est la deuxième fois seulement qu'on nous répond ça. Parce que j'attendais beaucoup de saga Expendables et elle m'a rien donné. Et au final, à ma grande surprise, c'est Fast qui m'a donné tout ce que j'attendais, c'est-à-dire de l'action complètement abusée, euh, stupide euh, et, et juste sans limite en fait, mais bah, tout en restant quand même euh, rigolo et sympa à mater en fait. Ouais. C'est euh, juste il n'y a, a pas de limite, il y a pas de limite, tout passe. Euh, mais ouais non je sais pas, c'est vraiment euh, c'est un, une saga que je suis depuis euh, bah, depuis la sortie du premier donc ça, ça fait 21 ans déjà, dernière, je crois. Si je dis pas de bêtises, le premier. Ah oui, mais c'est l'époque hein. Matrix et tout, ouais, ouais 21 ans, ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, donc ouais, et, et le premier que j'ai maté par hasard à l'époque, parce il venait de sortir en DVD, on l'avait loué, et j'ai jamais lâché depuis, et au final, fin, c'est une série qui a, qui a limite plus évolué que moi en 21 ans, hein, quand on voit <laughs> d'où elle part et où aller aux gens. c'est vrai. Bon, retournons à Alien. Qu'est-ce que la saga Alien représente yes. pour toi C'est Trauma, d'enfance. Euh, je pense que j'ai vu le premier euh, à moitié par inadvertance euh, quand j'avais 7 ans. Euh, du coup, j'ai pas bien dormi pendant un temps. 7 ans, c'est jeune. <laughs> Après jeu ça, ouais, ouais, avec le recul, ouais. Je sais pas. C'est vraiment c'était mon entrée dans la SF, donc très jeune, dans l'horreur, très jeune aussi. Et c'est vraiment au final un, un univers qui est, qui est fascinant, même quand on, on a l'impression d'avoir fait le tour. Au final, on, on continue d'être appelé. C'est limite Lovecraftien, en fait, tellement c'est. C'est le cas. Oui, voilà, bah, oui. après, voilà. <laughs> c'est un univers qui me, je sais pas, qui, me, qui me rappelle en permanence, en fait. Et qui, bah, qui fait que, du coup, je me retrouve à aller voir euh, genre, Covenant en avant-première, alors que je sais que je ne vais pas passer un bon moment, tu vois. Mais, <laughs> mais, mais voilà, je, je suis happé à, à chaque fois. Quand tu es dedans, tu dedans, c'est comme ça, C'est ça. <laughs> Et enfin, c'est un gros, gros fan d'Alien, ce que j'ai cru comprendre, puisqu'il m'a envoyé Appel. une vidéo de lui avec, euh, avec littéralement le Nostromo dans son salon. Faudra qu'il m'explique. C'est pas mon salon, c'est ma chambre, c'est le coin de mon lit. C'est le coin de ton lit, ok. Donc il est réalisateur, illustrateur, graphiste, et il y a lui aussi une chaîne YouTube, où j'ai cru comprendre qu'il prépare un documentaire sur Alien depuis une quinzaine d'années, euh, nommé non, non, Alien non, non, au cœur des depuis, ténèbres. Depuis 2015. <laughs> depuis 2015, je rigole. Nommé Alien au cœur des ténèbres. Bienvenue, Loïc Bian. Merci, merci, euh, Loïc Bian, anciennement Lucky Jackal pour ceux qui, qui pour, pour les personnes qui m'entendront et, et qui reconnaîtront ce pseudo. Oui, oui, euh, je suis un, effectivement euh, un fan d'Alien. Et euh, oui, je prépare un documentaire. Oui, il a énormément de retard sur le planning que je m'étais fixé et euh, il sortira un jour donc je ne donne plus de date en fait par rapport à la sortie de ce documentaire <laughs> sachant que j'ai d'autres projets autour d'Alien depuis un petit bout de temps dans les cartons qu'il y a déjà j'ai même j'ai même fait un jeu de plateau disponible gratuitement téléchargeable et imprimable dans lequel il y a un personnage qui a la tête de d'échec ah ouais Eh oui Dave est un <laughs> personnage c'est vrai <laughs> c'est vrai Dave, mais oui rappelle-toi alors, mais oui. bah, en ah bah. même temps, ça fait tellement longtemps. Oui, hein. Parce que tu dis, ça fait pas 15 ans, mais ça fait quand même 7 ans en 2015. Donc... Pas ça, coup, ça me semble en fait important de préciser qu'il y a des dans, dans un jeu de plateau Alien. Non officiel, évidemment, qui était chargé C'est gratuit. Hein. Classe, vous allez sur ma chaîne, vous cherchez le jeu de plateau et vous pouvez l'imprimer chez vous. Je suis jaloux, je dois avouer. Moi, j'ai jamais été dans aucun, aucun jeu comme ça. Encore moins Alien. Il y a même Vesper. Il y, y a Vesper, il y a Vled. Euh, voilà. Ouais, mais Vesper, elle est partout c'est pas pareil c'est <laughs> plus drôle à ce niveau là <laughs> ouais, ouais, et notamment est-ce que je veux le préciser un moyen métrage qui est en préparation avec si jamais il est faisable avec justement bah, Judith demoiselle d'horreur en rôle principal et... si famille. on y arrive si on y arrive putain et même question c'est donc... quoi ta saga préférée mais j'imagine que c'est Alien donc on va essayer de dire <laughs> en dehors d'Alien et le Star Wars il fut il fut intense c'était Star Wars mais Star Wars j'en je, je, ai marre. Jens ça, ça ça a été depuis effectivement euh, de, 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 depuis une chier de temps et euh, comme Dave, euh, j'étais je découverte par inadvertance. Euh, moi le, le premier contact c'était euh, un poster euh, dans la chambre dans la chambre de ma sœur, euh, un visionnage partiel discret quand on était gamin en regardant euh, du haut de l'escalier euh, ce qui se passe à la télé en ne comprenant pas tout ce qui se passe parce que euh, moi je vois euh, une gamine qui est dans l'eau le, et qui va se faire capturer par une créature et puis là on doit se sauver et on revient et là il y a une tête décapitée mais en fait mais plus tard je, je, je croyais que c'était euh, la tête de la gamine mais en fait non c'était une poupée et euh, moi je croyais voir un mec se faire arracher en deux non c'était un androïde donc c'est du traumatisme c'est euh, beaucoup d'imaginaire c'est euh, une après-midi où je suis seul euh, à la maison et où je mate la VHS du premier film et où je découvre des choses merveilleuses et horribles qui forgent mon imaginaire, qui forgent mon amour de l'horreur, qui euh, indirectement me fait effectivement découvrir Lovecraft, puisque bon, bah, Alien trouve ses racines dans Lovecraft à travers euh, le scénariste Dan Donc, voilà Je, je, je m'y retrouve beaucoup, je m'y retrouve toujours. Je ne suis pas lassé. Je ne suis pas lassé. Heureusement Avec que j'avais dit en dehors d'Alien hein. <laughs> Ah, en dehors d'Alien? Merde! Ah, saga préférée en d'Alien. Oh merde, j'ai mal écouté. Je suis absolument est désolé. pas euh... Non, c'est pas grave. Euh, vois pas. T'en vois pas, de façon. C'est souvent, avoir, hein. souvent je dis en dehors de Star Wars et les gens me répondent quand même Star Wars, alors je suis obligé d'utiliser ce petit bouton. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de Star Wars dans le podcast. Je tiens à vous le dire. Je vais dire avant de commencer quand même que je suis toujours pas un professionnel d'Alien. Et euh, je dois même avouer que je crois que euh, bah, c'est la première fois que je voyais vraiment ce film en entier. <laughs> je l'avais vu plusieurs fois euh, par-ci par-là, mais je crois que c'était vraiment la première fois que je me posais et que je regardais Alien 2. Et, et donc c'est très marrant parce que c'est assez rare quand même pour une grosse saga comme ça que je suis passé complètement à côté quoi, au final. Et donc de la découvrir, là c'est aussi sympa d'avoir des, des spécialistes et des gens qui s'y connaissent bien avec moi pour, pour m'accompagner dans cette aventure, parce que, parce que ça va être marrant, vous allez voir que j'étais quasiment au courant de rien par rapport à ce qu'il y a dans ce film, à part quelques scènes par-ci par-là en fait. <laughs> Eh bien, heureusement que James Cameron ne nous écoutera pas parce que s'il t'entendait dire Alien 2, mais il fait Oui, fume, pardon. Ouais. Oui, oui. <laughs> Aliens avec un dollar. Aliens le retour. <laughs> Tant faire. Ah, j'ai fait des recherches quand même. Hein. Attends. <laughs> Je ne suis pas venu juste. Allez hop, c'est bon parler, les invités. Après le succès d'Alien en 79, Brandywine Productions veut tout de suite faire une suite. Sauf que c'est plus simple à dire qu'à faire, visiblement. Et ça prendra quand même pas mal de temps avant de se lancer. Notamment parce que le président de la Fox à l'époque, Norman Levi, pense que c'est une très mauvaise idée. En plus, apparemment, les, les films d'horreur rapportaient pas autant à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu un procès entre Brandywine et la Fox pour pas vraiment euh, aider les, aider les choses, de ce que j'ai cru comprendre. Vous savez comment ça s'est fini exactement Parce que visiblement, ça s'est réglé cette histoire, mais euh, mais j'ai pas vu qui bah, avait vois, gagné. Ça, ça ou... Ah ok. Donc en fait, ouais, il ouais. y a eu un procès parce que la Fox avait déclaré qu'Alien avait fait des pertes de revenus alors qu'il avait rapporté plus de 100 millions de dollars sur un petit budget et donc Brandywine trouvait que c'était pas normal parce que il touchait touchaient pas d'argent par rapport à ça parce que Fox disait on n'a pas gagné d'argent et donc il y a eu un procès qui a duré quand même pas mal de temps jusqu'en 83 en fait okay. et là ils ont décidé que Fox financerait le film mais ne s'occuperait pas de la distribution et c'est là qu'il y a eu un peu plus de. que ça a commencé. Euh... Enfin, je pense que Fox a dû sortir le chéqué, à mon avis. Hein. Ah bah, Je savais un truc sur Aliens que vous ne connaissiez pas. Mais ouais. <laughs> David Geiler, le cofondateur de Brandywine, se met à chercher un scénariste et entend parler d'un script nommé Terminator, écrit par un certain James Cameron. Qu'est-ce que c'est votre film de Cameron préféré, en dehors de celui-là Parce que c'est mmh. une bonne question, il en a quand même fait des pas mal, hein, euh, monsieur Cameron. Abyss. Abyss, je ne l'ai pas vu depuis un milliard d'années, de... ouais. C'est peut-être pas. En fait, euh, je pense euh, préférer, euh, je dirais Abyss, mais c'est pas, pas objectif parce que techniquement, enfin, je, j'explique pas son meilleur en termes de scénar et tout ça et tout. Mais euh, il, il, est, il est tellement beau, il a, il, il a une gueule, il y a des effets spéciaux absolument fabuleux pour l'époque. C'est 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 un, un bonbon pour les yeux, mais je sais que c'était une catastrophe sur le tournage, que c'était une horreur, que c'était un véritable cauchemar pour toute l'équipe. C'est pas souvent comme ouais. ça avec Cameron. J'ai l'impression hein, toujours comme ça. si, c'est si. J'ai l'impression que le premier Terminator fait exception, mais euh, dans le mesure où il avait encore la pression lui-même en fait. Ouais, voilà. Mais il avait encore la formation Roger Corman derrière lui, donc euh, on, on a petit budget, on tourne vite, on tourne avec peu de moyens et euh, surtout quand on est en extérieur, mm. on prend pas les autorisations et on tourne en mode guérilla, c'est-à-dire euh, on pose et dès que les flics arrivent, on se casse. C'est quoi son premier film déjà C'est Piranha 2 ou un truc comme ça Non, c'est Piranha ça 2, ouais. Ouais, ouais. Si on peut considérer que c'est son premier film, vu que bah, c'est beaucoup de choses lui ont été volées euh, et que c'était surtout une question de droit, il fallait hum. euh, une réalisation américaine en Italie pour avoir euh, euh, des aides budgétaires, des avantages fiscaux. Donc l'idée du producteur derrière, c'était de virer James Cabron au plus vite, histoire bah, que lui il fasse son film avec euh, beaucoup de nichons. Ce sur quoi la légende dit que bah, James Cabron s'est infiltré euh, dans, la bande de, euh, dans, dans, la, dans la salle de montage pour, euh, pour refaire le montage lui-même. Les personnes qui le détailleront le mieux, euh, ce sont les responsables de, du, du podcast Split Screen. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on ne peut pas vraiment dire que Piranha 2 soit son premier film. Hop, hop, hop. On ne fait pas de pub pour les autres podcasts ici. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. <laughs> ah bon <laughs> Et toi, Dave, oh, tu as, as un Cameron préféré Alors c'est vrai que Abyss m'avait énormément fasciné quand j'étais gamin. Mais pour le coup, mon préféré, c'est celui qui a été rendu possible par Abyss, c'est-à-dire Terminator 2. Ouais. Ah merde, je peux dire Titanic c'est difficile d'ignorer <laughs> Terminator 2 hein. genre... ouais, vraiment celui-là enfin je l'ai vu et il m'a pas lâché non plus euh, pendant des années quoi. on a tous à peu près le même âge je pense non tous les trois là euh... ouais je crois hein. 34 35 ouais, voilà, 32 ouais voilà quoi. on a à peu près donc euh, Terminator 2 ça a vraiment marqué notre génération un truc de malade quoi Ouais, ben, clairement. Bah, ça par... Comme Alien, j'ai vu par hasard. On... Mes parents gardaient la maison euh, d'amis à eux euh, pendant leurs vacances. Avec ma soeur, on mettait des cassettes au pif. Et puis, il y a eu Terminator dans le tas. Du coup, euh, je l'ai récupéré derrière. <laughs> ouais, ouais, la claque, c'était justement quand à mon père qui, euh, qui nous a tous rassemblés, « Eh, hey, on a acheté Terminator 2. J'avais 6 ans. T'es Terminator 2 en VHS, on va regarder ça en famille. <laughs> ok, d'accord, très bien. Ouais, écoute, euh, ah, la, la VHS de Terminator 2, putain. Franchement, le je ne je, je, je suis pas euh, le plus grand fan de Cameron, mais par contre, je respecte, à chaque fois que je vois ses films, je fais, ouais, ok, d'accord. Okay, je, vois, je, vois, je vois pourquoi tout le monde l'adore, quoi. Tu vois. Mais franchement, je trouve que de nos jours, on est en train de réévaluer Titanic, mmh. j'ai l'impression. Et, euh, et c'est bien, je trouve. Parce il, il, en fait, ouais. j'aime bien quand il, fait, quand il prouve qu'il peut faire des trucs très différents les uns des autres, en fait. Mmh. C'est un peu son film le plus différent de tous, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur pour moi, ça reste Terminator 2. Mais Avatar, je ne suis pas un grand fan par exemple, pas, mm. Je pas suis pas accroché quoi. C'est une démo technique quoi. Ouais. ouais, ouais. voilà. J'attends de voir ce qu'il va faire avec le 2 qui sera lui aussi une démo ça. technique. <rire> <rire> Après ça dépend, il fait très bien les deux justement. Il fait comme Zemeckis, il fait que des démos techniques maintenant. <rire> <rire> Donc, après avoir proposé Cameron à Stallone pour écrire Rambo 2, un truc dont j'étais pas du tout au courant, et <laughs> je découvre ça en lisant, je fais, on a parlé de tous les Rockies, etc., et on n'a pas encore parlé des Rambo que je connais bien moins que les Rockies, en fait. Est-ce que vous savez ce qu'il y a eu, en fait? Euh... En, en, euh, y... Beaucoup de désaccords. Ouais. Beaucoup de désaccords. Parce qu'en fait, le, le, le Rambo 2 qu'on connaît euh, n'est pas le Rambo 2 écrit James Cameron, il y a beaucoup contribué, mais il y a eu, euh, il y a eu également beaucoup de réécriture. Le truc, c'est que James Cameron s'est retrouvé coin centre de feu. Quand on a proposé à James Cameron d'écrire un premier jet, en tout cas un synopsis, euh, un synopsis à Alien, Aliens, pardon. Cameron il a folé, euh, donc bah, il rappelle David Geiler de chez Brandywine pour lui dire bah écoute, euh, c'est sympa pour Aliens, mais là euh, on me propose un beau deux. Et Geiler qui lui dit bah, sois pas con. Bah, il, prend les, il prend les deux jobs. Et ça, c'est, en fait, même, c'est pendant le tournage de Terminator. Parce que, justement, pendant le tournage de Terminator, t'as Dino De Laurentiis qui se dit hey, « Eh, mon poulain de Schwartzy, là, il, a, il avait un contrat avec nous pour faire un Conan 2. Eh ben, on va le réquisitionner. Viens, on va tourner Conan 2. Viens, 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 viens. » Donc, Schwartzy bah, s'absente plusieurs mois et bah, Cameron, qui n'est plus trop thune, là, il est, il est un peu dans la merde. Donc, il prend ce qui vient et il prend deux projets euh, proj en même temps. Donc Rambo 2 et Alien 2. Et au final, on se rappelle beaucoup plus de l'un que de l'autre. Hein, on va le dire quand même. <laughs> C'est quand, euh, quand même plus sympa d'avoir Aliens dans son CV que d'avoir Rambo 2. Hein, qui, est pas, euh, qui est entre un très bon film, le premier Rambo, qui est plutôt sympa quand même. Et euh, un oui. su super gros nanar tellement énorme qu il en devient sympa. Et au final, le 2, il, il est là, un peu entre les deux, il sert pas à grand-chose, j'ai l'impression, dans les Rambos. Mais après, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Quoi. Au départ, Cameron, il comprenait pas pourquoi le premier okay. film devait avoir une suite, car il trouve que c'est un peu un film parfait. Toi, Dave, tu l'aimes tu, tu, tu bien, toi le premier, plus que le deuxième Ou, c ou tu, tu aimes les deux pareils toi Parce que au, pour, pendant le premier film, on a eu une sorte de débat où, au final, la plupart des gens dans la pièce étaient d'accord pour dire que le 2 n'avait pas vraiment raison d'exister, en fait, quoi. Et on s'est un peu fait engueuler pour ça d'ailleurs. Perso, ben, je préfère le 2 en fait. Ouais. Avec le recul et le temps, parce que ben, euh, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même chose, mais euh, celui que je remate le plus régulièrement, c'est le 2. Tu l'as vu en premier ou Non, De... même pas. Non, je l'ai pas, pas, pas vu en premier. Ouais. Euh, je, sais, je saurais pas dire. J'ai l'impression que en tant que divertissement, mmh. c'est vraiment celui qui passe le mieux. Ouais. Alors que le premier, faut quand même, pour moi je trouve qu'il faut être dans un certain état d'esprit, tu vois. Tu ne peux pas te dire, euh, bon allez, euh, je fais rien ce soir, euh, je me lance, tu vois. Mmh. Ouais, il est très... Il euh... n'y bah, a pas beaucoup de dialogue déjà dans le premier. Enfin, c'est pas vraiment... Euh... C'est un film euh, qui prend son temps et tout, donc il faut quand même être dedans quoi, quand on le regarde. Alors mmh. c'est vrai que le 2, c'est beaucoup plus... Il y a un côté plus popcorn quand même dans le 2. Bah, c'est ça. Bah, ouais. Justement, alors, pour, pour être honnête, parce que je ne l'avais plus en tête, euh, parce que j'ai... Je l'ai commencé il y a deux mois et, euh, et j'ai mis une pause et je n'y suis pas retourné. Euh, je l'ai maté sur mon téléphone au bureau cet après-midi. Ah bah bravo <laughs> et, euh, et en n'ayant que le son, euh, parce que je ne pouvais pas regarder tout le temps, il fallait <laughs> quand plus... même que je bosse. En plus, tu même pas lui. Mais Bah ouais, 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 ouais. parce qu'il bah, fallait quand même que je bosse, tu vois. Je ne plante pas tant que ça, au final. Euh, bah Ça se suit très bien. Alors, je le connais, mais euh, ça, ça se... tu es quand même à fond dedans, même sans le voir. Même ça, en, tant que, euh, en tant que pièce de théâtre audio <laughs> ou radio. C'est ça. <laughs> je pense que ça doit être un film qui est assez simple et à suivre. Bah, un peu comme le, le premier, un peu pareil à ce niveau-là où Scroo, où tu peux vraiment reconnaître chacun des personnages en fait. dans les aliens. Ça, j'aime bien quand même. Totalement. Ils sont tous super bien définis. Ils jouent tous très différemment au final. Mm. Du coup, enfin, euh, même sans voir, tu sais qui fait quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça ouf pour le coup. On euh. devrait tester ça plus souvent. Euh, de faire juste des parce sagas que... où on les regarde pas, on les écoute. <laughs> on essaie de voir ce que ça donne. Il y en a, ça doit être trop bien. Tu vois, genre les Sergio Leone, tu passes juste ton temps à les écouter. Ça doit être super bien. <laughs> ouais, clairement. Donc en fait, Cameron, c'est en combinant l'horreur d'Alien avec l'action de Terminator que ça a commencé à lui donner des idées. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis, ouais, ça, ça a du sens. Hein. C'est surtout, surtout le Vietnam. Oui, oui bien ouais. sûr. En plus, ouais. Ça, ça on, y vient, on, y, on y viendra aussi. Mais il y a. <laughs> je sais plus, je crois que c'est. Parce que c'était sa petite amie de l'époque qui ensuite deviendra sa femme. Qui est productrice d'Alien en fait et de pas mal de ses films d'ailleurs, d'Aliens, en fait c'est elle qui est venue le voir et qui lui a dit Et pourquoi tu ferais pas un peu du Terminator avec Alien en fait Et, euh, et il a dit Ouais, maintenant que tu le dis comme ça, c'est pas une mauvaise idée parce qu'il se voyait pas faire exactement la même chose que Ridley Scott, quoi. Tu vois, il aurait, il aurait pas voulu le, 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 le faire, enfin euh, je pense pas, quoi. Il aurait pas voulu le faire pour faire une suite vraiment directe et exactement pareil que, que le premier, quoi. Non, c'était pas du tout l'idée, effectivement. Non, voilà. Donc en novembre 83, déjà faut savoir que apparemment Cameron il avait une photo de Sigourney sur son bureau quand il a écrit le script. Donc oui. euh, avec, en se disant tout de suite que Ripley reviendrait et que ce serait elle le personnage principal. Quoi. Ça on y reviendra un peu plus tard parce que les studios c'était pas forcément leur idée non plus. Et en fait il a écrit donc 42 pages qui parlent de toute l'histoire du film qu'il a écrit en trois jours euh, basé sur une suggestion de quelques mots de, de Geiler qui dit Ripley et des soldats. Et c'est là qu'il a donc eu l'idée, pourquoi pas la guerre du Vietnam C'est au début des années 80, t'as Cameron qui a écrit un scénar qu'il a appelé E.T. Ouais. Il n'y avait pas Ou un truc qu'il avait il écrit il... qui s'appelait Mother aussi T'inquiète pas, juste... justement, c'est renommé Mother pour des Et... raisons assez évidentes. <laughs> Et Mother, euh... c'est devenu alien, donc au final. <laughs> Et en gros, ça raconte l'histoire d'une créature extraterrestre. Donc, sur une planète extraterrestre qui cherche à protéger ses petits de l'arrivée euh, d'humains qui sont venus exploiter les ressources de sa planète. Mmh. Donc, petit détail, tu as l'air sur la planète qui est respirable, donc les humains portent des, cas, portent des masques. Euh, dans son texte, il place déjà le terme xénomorphe euh, pour désigner les extraterrestres. Et tu as une corporation à l'origine de tout le merdier. Et ah pour faire bosser des humains dans les mines, eh ben, on leur crée des corps génétiquement modifiés, maîtrisables par télépathie. Ah, et à la fin, il y a un humain euh, dans un méca euh, qui fight un extraterrestre. Euh, Est-ce qu'ils euh, viennent sur la planète pour chercher un, un métal qui s'appelle le superarium <rire> <rire> euh, Je ne euh, sais, sais pas si le... Euh, le merde, c'est... L'anoptanium. Le, oh. le, 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 euh. ouais, voilà. En je fait, Cameron, Camer il a genre 3-4 idées et il les mélange entre elles. <laughs> et, voilà, je... et ça marche, au final. Et il faudra que... Par exemple, le film, là, il commence avec une sorte de mini-sous-marin. Euh, mini ça m'a tout de suite fait penser à... À Titanic, et ce qu'il a fait euh, ses documentaires, etc. Euh, ça fait vachement petit sous-marin euh, qui est dans le Titanic. Et, et on peut en reconnaître tout de suite. La... Enfin, dès, que, dès que le film a commencé, j'ai fait Ah, c'est James Cameron, tiens. <laughs> en, en tout cas, tu as les bases d'Avatar et as aussi les bases d'Aliens. Ouais. Euh, un, un truc où souvent t'as une une mère qui s'oppose à une mère, qui, qui doit protéger son petit et l'autre qui doit protéger ses petits. Euh, sachant que bah, dans l'histoire de base, dans Mother, l'extraterrestre en question n'est pas vu de façon négative. Comme les navies euh, mmh. dans, dans Avatar. Et comme euh, le Terminator dans Terminator 2, ou euh, on pourrait même dire Bishop aussi. Euh, on sent que Cameron, il, il, il est un peu curieux des, <coughs> des aliens, des robots, des gens. Il ne veut pas être manichéen, en fait, au final, dans sa manière de, de les voir. Ça, j'ai toujours bien aimé. Surtout qu'il bah, faut faire évoluer ces histoires. C'est-à-dire que ouais, voilà. euh, si dans le premier Terminator, tu, tu as euh, un autre personnage de guerre qui joue le Terminator qui est méchant, dans le deuxième. Remettre, remettre un Terminator de chanson de guerre, c'est redondant parce que l'histoire est assez redondante en fait quand tu réfléchis entre Terminator et Terminator 2, mais au final, t'as un élément de surprise qui est que le Terminator est le gentil. Ouais, c'est comme H. Bishop euh, en fait, tu vois, il fait exactement ça. même exactement. Shop. Ouais. ouais, en même temps, comme tu disais, il y a le tournage de Terminator avec, qui est en pause parce que Schwarzy est parti faire Conan 2. Le euh, Destructeur, ouais. Ouais. Tiens, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le chapeau, Conan, tiens. Hmm. Oh merde. Pourquoi pas, tiens. Et donc, Cameron décide de se pencher un petit peu sur le script d'Alien 2. Cette version est mieux reçue par la Fox. Par contre, il voulait pas sur la suite d'Alien à la base. Hein. Bas, c'était Walter Hill qui voulait lui faire une espèce de Spartacus dans l'espace. Et euh, Cameron a dit, euh, c'est une idée ça de merde. Ça. Non, 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 non. Euh... <laughs> Spartacus dans l'espace, <laughs> ça a l'air bien comme ça. Non, non, Cameron a dit, c'est une idée de merde. <laughs> Vous avez pas autre chose à proposer Et on lui a dit, euh, bah, y a, tu y a la suite d'Alien. Bah, d'accord, ok. Euh, c'est quoi votre idée bah écoute, euh, replay sauvé et retourne sur la planète avec des soldats qui se font attaquer et manger, et puis d'autres conneries arrivent. C'est dans le texte, hein. c'est comme ça qu'on lui, qu qu lui a vendu le, le truc. Et Cameron, il a dit banco. Mais il y a eu beaucoup de, beaucoup de blocs dans la route, quoi. Enfin, il, il, il y a déjà le fait qu'au début, il voulait pas trop que, que Cameron réalise, il voulait plus qu'il écrive et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça. Ensuite, Cameron a insisté donc, pour que sa petite amie de l'époque, la productrice Gail Anne Hurd, Produisent le film et la Fox n'était pas d'accord. Elle a produit euh, Terminator, euh, Aliens et Abyss. Et ensuite, elle épousera Brian De Palma au passage. Et en fait, ouais, beaucoup de gens ont essayé de convaincre Cameron de ne pas faire ce film. Tous, ils disaient que tout ce qui était bien dans le film serait attribué à Ridley Scott et tout ce qui est mauvais dans le film serait attribué à James Cameron. Et au final, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une des rares suites où quelqu'un reprend le flambeau et ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Bah, mm. Surtout que le... chez Brendi Wine, ils ne sont pas fait chier. Ils n'ont pas refait appel à Dan O'Badden. Ils n'ont pas prévenu ouais. Ronald Chaussette. Ils n'ont même pas prévenu euh, Giger ou l'intéressé principal pour le rôle de, de Ripley, qui est Sigourney Weaver. Sigourney Weaver n'était pas au courant que euh, le film était écrit. Ouais, Sigourney, euh... Sigourney c'est encore autre chose. Elle, à l'origine. Euh... En fait, ils lui ont proposé de temps en temps, euh, ouais, si on fait un alien, tu veux bien revenir, et elle a dit non. Elle, elle était convaincue que le film existait juste pour l'argent à l'origine. Elle se disait, enfin, euh, il y a aucune raison de faire un nouveau alien, à part c'était de l'argent, et justement, James Cameron a dû lui euh... envoyer le script. Okay. Mais c'est marrant qu'elle soit passée de je ne veux pas rejouer ce rôle à euh, j'en fais quatre et euh, je coproduis le dernier. <laughs> oui, c'est vrai. Elle a coproduit le dernier. Un million de dollars, ça, ça, ça c'est une bonne raison, un million de dollars pour reprendre le rôle. Effectivement. Et ça. En gros, elle a gagné un million de dollars plus un pourcentage au box-office. Oh, ouais. Ouais. C'est pour ça que là, elle a accepté. Elle accepte de revenir. Surtout sur, 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 qu'elle était. Elle, elle, est, elle est. anti armes Et dans, dans le film, on allait lui faire tenir des armes. Elle n'était pas chaude à l'idée de tenir un M41A dans les dans les et un lance-flammes. Ouais, du coup, le lance-flammes, c'est pas une arme hein Ça reste une arme. Ça. <laughs> Donc, la Fox pense que le script va coûter 35 millions à produire, d'après eux. Euh, mmh. Sauf que Heard, elle, elle dit que ça ne coûterait que 15 millions. 5, et donc, la Fox propose 12 millions. Et donc, Cameron et Heard se barrent. Voilà. Ils disent on ne veut pas. Donc, grosse négociation pour les faire revenir. Ils acceptent. Sauf que la Fox leur dit on ne veut pas trop que Sigourney revienne parce qu'elle demande, elle demande trop d'argent. Donc Cameron et Heard se barrent encore, sauf que cette fois, ils en profitent pour se marier et partir en lune de miel. Et là, enfin, Sigourney accepte, grâce sûrement aux 1 million. Donc au final, la, la Fox avait raison que, sûrement, Sigourney allait coûter beaucoup d'argent. Il y a <laughs> tellement de projets qui se sont déroulés comme ça. Enfin, limite, on a l'impression que c'est le fonctionnement habituel. Euh, ou le nombre d'acteurs aussi qui ont été virés parce que, justement, ils commençaient à trop demander, quoi. Ouais, c'est ça, ouais niveau en... casting, ça plutôt rapide en fait. Euh, les, les choix euh, du casting ont été assez rapides. Il y a son pote, euh, son pote Michael qui est toujours Bill. là. Michael. Michael euh, euh... Ah, euh, euh, non, pas au départ. Pas au départ parce que euh, en fait, euh, c'était Walter Hill qui avait proposé euh, l'acteur James Remar. Le euh, seul problème, c'est que quand ils ont commencé à tourner, euh, les autorités londoniennes euh, sont. Enfin, les, la police londonienne euh, s'est amenée à Pinewood parce qu'ils ont tourné à Pinewood pour des raisons fiscales et pour payer moins cher le, le, le budget du film. Euh, la police est arrivée pour l'arrêter pour euh, consommation et achat de drogue, mmh. alors qu'ils avaient tourné plusieurs plans dans les décors. Il euh, y a que... d'ailleurs dans le film des plans. Où de dos, on a le personnage de X, interprété par James Remar et non par Michael Bean, qui se retrouve encore dans le film. Et James Remar a été viré. D'ailleurs, en parlant de Pinewood, euh, pendant le tournage, Cameron a dû convaincre l'équipe technique anglaise de bosser pour lui, alors qu'ils avaient bossé presque tous sur le Alien de Ridley Scott. Donc, en gros, les Anglais, ils ont décidé de prendre des pauses au milieu de chaque scène pour aller boire du thé, pour aller au pub, enfin. Ah non, vous... ça, c'est réglementaire. Ouais ouais c'est réglementaire la, la posté, mais c'est c'est juste que apparemment dans la manière où ils l'ont fait c'était aussi parce qu'ils aimaient pas Cameron puisque Cameron leur a proposé de leur projeter Terminator pour leur prouver que c'est un bon réalisateur et apparemment personne n'est venu quoi ah, parce que pour eux Alien c'était un film britannique réalisé par un réalisateur britannique <laughs> à la base et que que ça revienne à un américain ouais. qui est d'ailleurs est canadien <laughs> et ben c'est de la merde c'est pas une bonne idée non, euh... « Nous sommes britanniques et nous bossons contre britanniques. » Il n'y a pas eu une mutinerie euh, dans l'équipe, justement, quand il a viré quelqu'un d'équipe technique euh... Le directeur photo Ouais. Dick Bush Yes. Attends, il y a un mec a qui s'appelle Dick Bush <laughs> oui, 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 tout à fait. Il s'appelle, euh, euh, oh mon Dieu, -beat Pubis Poilu. Euh, Dick Bush. Et bref il s'est fait virer, lui mais parce qu'il euh, bah, ne voulait pas éclairer les scènes comme James Cameron le voulait. Ah, ok. C'était trop, lumi... trop lumineux, c'était trop. Euh... C'est très lumineux euh... le film hein, avec les, éc... les lumières qui viennent de derrière, là, comme ça, à chaque fois. Et, euh... et y... justement, il y a des plans qui n'ont pas pu être refaits parce que c'est des plans qui ont été tournés quand tu avait Dick Bush dans le, dans, dans, dans le processus. Je ne vais, vais pas aller plus loin, mais il y a des détails qui nécessitaient d'être peu éclairés, de jouer beaucoup sur l'éclair obscur. Mais euh, Dick Bush éclairait beaucoup trop fort. Parlons de la musique. Je, justement, non, bah, mais le fait de l'avoir écouté et pas vue, euh, bah, ça m'a fait manger que la musique a été un peu aux F, en fait. Surtout comparé au premier. moi ouais, j'ai bien aimé. Surtout qu'ils ont réutilisé des pistes du premier. Il y en a, tu vois, mais au final, le premier, tu quand même, la majorité du temps, quand tu te rends compte qu'il y a de la musique, tu es tout seul avec cette flûte euh, de l'enfer, là, ouais. qui, qui t'enferme euh, petit à petit. Or, là, c'est quand même très, euh, très orchestral, très ouais. euh, bah, blockbuster de l'époque, au final. M mais aussi très générique, je trouve. Bah, en fait, c'est devenu générique parce que c'est lui qui a lancé oui, le, le truc le temps. en fait. Ouais. C'est euh... vrai quoi là, j'étais un peu obligé de me concentrer sur la musique au final parce que ça faisait partie des quelques trucs que j'avais euh, en, en bossant et ouais, euh, ça, ça... j'étais un peu déçu en fait de, de, de faire attention. Surtout qu'en fait, euh, ça te fera rigoler, mais en 85 sort « Commando », musique composée par James Horner. Et en l'occurrence, James Horner a eu six semaines pour composer 2h32. Oui, parce que bon, le métrage original est de 2h30 heures, heures et demie quelques. Il y a beaucoup de passages où il n'y a pas de musique, mais il y, a, il y a quand même six semaines de composition. Il faut enregistrer, il faut faire les mixages. Donc James Horner a beaucoup recyclé, si vous êtes fan de « Commando ». Eh ben, vous pouvez repérer qu'il y, a... ah, y a des thèmes qui ressemblent beaucoup quand même hein. <laughs> après même. je suis pas un grand fan de James Horner en général c'est euh... leur première collaboration là, en tout cas avec, euh, avec Cameron et ensuite il, il, fera, il fera tous ses films après hein, je crois c'est ça mm, quasi ouais moi. Euh, à partir de la... Titanic ouais après, depuis, depuis Titanic, il n'a fait qu'un film. <laughs> Sachant qu'en plus, de toute façon, euh, chez euh, James Horner, il y a beaucoup de repompes dans des, dans des classiques. Mais bon, oui. ça, beaucoup, beaucoup de compositeurs de musique de film repompent un peu à la musique classique ou alors on leur demande de refaire. Là, en l'occurrence, par exemple, l'un des thèmes principaux euh, qu'on a dès l'entrée du film, c'est du euh, Aram. Euh, Chaturian si je m'appelle bien une musique que vous pouvez retrouver dans le 2001 l'Odyssée de l'espace ça ressemble énormément vous faites le lien entre les deux vous dites ah ça m'appelle Aliens alors après t'as aussi des, des, des bouts du masque de Zorro qui se retrouvent dans Avatar tu vois c'est euh... en plus <laughs> le, le thème du danger de euh... ah, ça, ça je peux plus ça, ça me Sorner. gâche un film <laughs> c'est horrible non, mais oui je... parce que ça, ça connecte les films <laughs> James Horner il a un thème du danger euh, son euh... oh merde je pourrais plus le refaire à, à la bouche ça fait un espèce de talala infernal <laughs> que t'as dans ouais, le masque de Zorro, que t'as dans trois, que t'as partout. C'est marrant, on rigolait quand on a fait les qu utilisé qu'ils chanson réutilisé un morceau de Broken Arrow pour ouais. être le thème du personnage de Dewey. Et donc, dans de tous de les de films, il y a ce thème qui revient tout le temps, alors que c'est même pas <laughs> un truc qui a été composé pour Scream, quoi. C'est euh, n'importe quoi. Oh, J'ai envie de le chanter, je, je me retiendrai. <laughs> J'aime tellement cette musique. Donc le film a 7 nominations aux Oscars, ce qui est bien mieux que le premier. Euh, ça a gagné deux Oscars, victoire pour euh, meilleurs effets spéciaux et meilleurs effets sonores, et surtout une nomination pour Sigourney Weaver en meilleure actrice pour un film de SF et d'action. C'est très rare que l'Académie euh, donne des, ne serait-ce que des nominations à des à des actrices ou des acteurs qui jouent dans des films de science-fiction ou d'action. Bah, c'est aussi parce que bah, le personnage a bien été, a bien été écrit mm -hmm. et que euh, bah, James Cameron, dans sa, dans sa réalisation, a réussi à parfaitement l'iconiser, tout à fait mérité, si vous vu, de toute façon, c'est une actrice qui, même depuis le premier Alien, n'avait plus besoin de faire ses preuves. Elle, est, elle était excellente, elle a toujours été excellente, c'est impliqué. Je ne suis pas étonné. Dans, dans le premier, on lui, on lui demandait quand même pas mal de trucs, mais là, on lui demande encore plus de choses en fait. Et, et là, elle porte carrément le film en fait. Alors que dans le premier Alien, c'est qu'à partir de la moitié du film que ça devient un peu le personnage principal. Dans le premier film, elle est limite un, un leurre, parce qu'en gros, elle est le personnage insupportable, le personnage qui euh, qui engueule tout le monde, enfin qui engueule tout le monde, qui a pas qui a pas très bon caractère, qui euh, respecte le manuel à la lettre. Quand tu connais pas Sigmund Weaver, quand tu ne sais pas qui c'est, quand tu connais pas Alien, et que tu mets le premier film, et que tu as l'habitude des films de science-fiction, tu te dis, au pire, ce sera une des deux survivantes avec le capitaine. Et là, dans Aliens, elle est le personnage principal. Et à cette époque-là, dans la science-fiction, eh bien, euh, les mecs survivent. En, en tant que film de science-fiction, il n'est pas intégré dans le domaine du slasher. Slasher où on pourrait bah, se dire bah, c'est un Halloween dans l'espace, ou euh, Les Dents de la Mer dans l'espace. D'ailleurs, c'était vendu comme tel. Et elle pourrait être la dernière survivante. Non, on ne se dit pas ça. On se dit c'est un personnage tertiaire, comme tous les autres. Elle n'est pas plus mise en avant avant un certain moment du film. Et là, dans Aliens, elle est le personnage principal. Elle doit évoluer, elle doit faire face au traumatisme qu'elle a vécu dans le premier film. Tant qu'à faire un nouvel Alien, autant donner les clés à, à Ripley, j'ai l'impression. Autant se focaliser sur Ripley. Parce qu'après ce qu'elle a vécu, et tout, il y, y a vraiment de quoi creuser. S'il n'y avait pas eu le personnage de Ripley, je ne sais pas si Aliens aurait été, euh, aurait été aussi intéressant. Donc le budget, 18 millions de dollars pour un box-office entre 130 et 180 millions. Est-ce que c'est le plus gros succès avec inflation, etc., de la saga Alien, je me demande ah, Parce que les deux ah, autres n'ont pas forcément ajusté, très bien marché, je pense. Ils ont bien marché, Pardon les suites Le 3 et le 4 ont bien marché Le 3... Bah, S'il y a eu un 4, c'est que le 3 a quand même dû un peu tourner. Je n'ai pas souvenir qu'on ait tant parlé que ça du 3, alors que le 4, vraiment... Le 3 a eu une réussite en termes de communication. Et le, le 3 a eu une réussite en termes de, co de, de communication, mais la communication était, euh, était fallacieuse. Elle vendait du mensonge. Ouais, sait pas la première fois que j'entends ça, tiens. <laughs> C'est peut-être toi qui me l'as déjà bon, dit. <laughs> je, 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 laisserai le, je laisserai le soin aux gens qui parleront du 3 d'en parler. Ouais. C'est quasiment comme euh, que, comment dire, le, le, le Aliens, le Alien 2, du coup, quand c'était euh, encore Alien 2, c'était complètement différent. C'était limite Prometheus. Enfin, C'était écrit que, par Obama, tu avais dire? imaginé Non, 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 non. C'est tel que. On pourra en, en, y revenir plus tard si tu veux. Okay, Mais il -y. Euh, y a, y a, bon, y a des fait... origines à ouais. Alien 2. Il y a d'autres origines. Alors juste ajusté pour inflation, Aliens du coup c'est le deuxième euh, qui a fait le plus après Alien du coup. Ah quand même, ok, okay, okay. Donc c'est Alien, Aliens, euh, Alien Resurrection et Alien 3. Okay. Ah j'aurais juré Prometheus avait battu le record. Alors, Je comptais pas parce que justement Prometheus c'est celui qui a fait le plus. Ouais, Prometheus, ça a bien marché, quand même. Prometheus premier, Covenant deuxième, et ensuite, c'est Alien, Aliens, Alien Vest Predator, Alien Résurrection, Alien 3 et Alien Vest Predator Equium. Ok, Alien, Alien Covenant, je comprends pas. J'adore ah, que Alien vs Predator se soit mieux placé que, que le que, 4, Ali... <rire> <rire> que le 3 et le 4. Que le 3 et le 4, ouais, carrément. Quoi. Et, et vraiment de 12 millions de plus, quoi. Alors que le 3 et le 4 ont quasiment fait la même chose, en fait. De toute façon, je propose... Ripley et John Z flottent toujours endormi dans la shuttle quand soudain un vaisseau les repère et les sauve. Et donc ouais, il y a le petit sous-marin des profondeurs de, de James Cameron dans la première scène. Ripley est emmené dans la station spatiale Gateway qui orbite la Terre. Quand tu regardes le premier alien, tu te demandes un peu comment est la technologie sur Terre. Donc On le voit pas beaucoup. Enfin, C'est sympa d'avoir ce petit... Euh, comme je découvre le film. <laughs> Surtout, c'est marrant parce qu'au final, si tu prends en compte... Euh, parce que le lore, il est vraiment exploré au final dans, dans les comics autour. Moi, dans tout ce que j'ai lu, au final, la Terre, elle a abandonné, tu vois. <laughs> ouais. Alors, on la voit pas la Terre, terre oui. hein, techniquement. On voit, enfin, on la voit de loin, mais on voit pas ce qu'il y a sur Terre, en fait. Oui, elle pose pas ses pieds dessus. Ouais, ouais. Je crois qu'à la fin du 4, il s'écrase sur Terre. Euh... Il s'écrase dans... à Paris, non Dans la fin alternative. Alors, je crois que... Euh, à... Je me permets cette parenthèse. Je, je crois que euh, la version entre guillemets director's cut. D'ailleurs, je crois que même que euh, Jean-Pierre Genet il dit que la version cinéma est bien. Ne mettez pas la entre guillemets director's cut de Alien Resurrection, ça à que dalle. Donc Ripley rencontre Burke, qui, a, qui aurait le pire nom s'il était français, qui s'appelait Burke quand même, qui travaille pour la compagnie et lui annonce qu'elle était endormie pendant 57 ans. Et elle souffre désormais de violents cauchemars où elle voit l'alien sortir de son ventre dans une séquence plutôt flippante, peut-être la séquence la plus flippante du film. Déjà, j j je ne me rappelais plus du tout qu'il y avait euh, presque 60 ans dans le, dans le temps qui, qui passe. Ouais, 57 euh, ans, ouais. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, étant donné que j'avais jamais vraiment découvert Alien, la saga en entier, à quel point c'était une inspiration pour les Wachowski euh, dans plein de trucs. Dans le nouveau Matrix, euh, il y a 60 ans qui passent, c'est presque 57 ans, enfin il y a 60 ans qui passent, euh, ils... alors qu'eux, ils sont plus ou moins endormis. Euh. Et, et le côté euh, monde réel, avec le crew surtout en fait, le crew du monde réel, euh, juste quand on rencontre à chaque fois les diffs, surtout dans le premier, qu'on a cette... ce côté-là. Ouais, c'est une formule pour le coup, c'est bien parce que tu, tu peux as au moins un perso ouais, tu es ouais. sûr d'aimer. Dans le temps. Il est dans une autre version. Il y a, on apprend qu'elle a une fille. C'est ça que Ripley a une fille. Dans la version longue, ouais. Dans la version mmh. longue. Et apparemment qui est morte. Mais apparemment il y avait quand même une première version dans le scénar où elle n'était pas morte et vieille. Et elle lui disait ouais c'est ta faute si j'ai une vie de merde ou un truc comme ça. C'est la fin alternative de Interstellar au final. Hein. Ah oui c'est ça. <laughs> et c'est le perso principal de Alien Isolation. Oui. oui c'est vrai. Amanda Ripley ouais. Voilà. Cool, Alien Isolation. Mais il y en a eu plein des bons jeux vidéo Alien quand même. Bah oui, clairement, c'est une des rares licences d'ailleurs. Ouais. Oh. Même <laughs> les, les Aliens Predator et tout, ils sont pas mal aussi. Hein. Bah, clairement, bah meilleur que les films. Oui, <laughs> c'est pas dur. Hein. Désolé Obanon. Dev, mais... voyons. <laughs> On a Je pensé à la même les chose films, en même temps. Mais... Le premier A.V.P. <rire> <rire> Ripley raconte ce qu'elle a vécu sur le Nostromo mais personne n'y croit. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point la réalisation de James Cameron et celle de Ridley Scott ont rien à voir ensemble. Pendant cette scène, Cameron a la caméra qui tourne autour de Ripley beaucoup, en mouvement dans un style de mouvement qu'il n'y a pas du tout dans le premier film. Et... T as, t as ça et, et, et le format qui quitte le scope. Là, c'est tu sens que, le, que la réalisation est euh, comment dire, je veux dire programmée, c'est pas le terme, mais pour euh, avoir des images plus vastes, plus, plus grandes. Euh, taillé plus large, et tu sens qu'il euh, va y avoir euh, éventuellement des, des choses gi gigantesques à l'image dans, dans l'avancée du métrage. Et là, il s'en sert dans cette, cette scène-là pour la cloisonner un petit peu parce que vu que tu es pas en scope, on cadre beaucoup sur elle, on l'oppresse énormément. La caméra qui tourne autour d'elle, ça fait un petit peu un côté. Euh, elle, elle perd un peu, enfin, elle est en train de perdre un peu le contrôle en fait. Quand as un réalisateur qui justement. Bah, euh, Cherche à s'affirmer par rapport au format, par rapport à l'image, par rapport à la photographie, par rapport à la direction d'acteur, par rapport à l'écriture. Oui, tu te dis effectivement, là, il s'approprie le truc. Ouais, complètement. Il va y avoir une véritable personnalité. Mmh. Écoutez, c'est juste que ça va vous faire un choix vous êtes resté plus longtemps que. Longtemps Combien euh, 57 ans. Quoi C'est vrai, vous êtes resté dans l'espace pendant 57 ans. Donc, la planète du premier film est désormais en train d'être terraformée par 70 familles et ils ont perdu le contact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on demande à Rambo de reprendre sa mission. John Z est laissé derrière, hélas. C'est la dernière fois qu'on va le voir, hein, je pense, non, non on, le plus, ouais. on le revoit non, ça, plus, ouais. C'est la dernière fois, c'est pas grave, <laughs> c'est juste un chat. Ah, oh, c'est pas juste un chat, c'est John Z. C'est un des chats les plus célèbres si, du cinéma. A... Quoi. Il servirait à rien dans la mission. Il y a un comics en one-shot sur John Z, je crois. <laughs> Il y a oui, vraiment des comics surtout. Une petite fanfiction qui parle du, du premier film Alien, mais du point de vue de John Z. <laughs> c'est <rigolo. rire> Hey, il devrait faire un jeu vidéo Johnsy quoi. Tu sais, tu joues à un jeu Alien et tu rentres un certain code et tu peux jouer avec Gen Z. Bah, D'ailleurs, dans Alien vs Predator, le, le 2, je crois, quand tu fais la campagne Alien, dans des premiers trucs que tu fais, quand tu, après être né entre guillemets, c'est bouffer un chat, je crois. Hein C'est pas impossible. Ça déconne pas. Hein ouais, t'as juste le, le le Chessbuster qui, qui part faire sa vie et, euh, et il se glisse dans la cage d'un chat. Parce que oui, en et fait... après tu reprends plus tard en étant adulte. Parce que, bon là je vais spoiler mais un truc dont je me souviens dans le 3, c'est qu'il y a un chien alien à un moment. Un chien ou une vache, ça dépend. <laughs> dans, la version, dans la version ciné c'est le chien, et dans la version euh, Assembly c'est euh, un, un bœuf mort. Je trouve, je trouve l'idée, mais franchement, euh, super intéressante au final de se dire à quoi, à quoi tel animal pourrait ressembler en mode alien. Enfin, moi j'ai pas vu tout, tous les films, mais c'est la seule fois où il y a vraiment un animal alien en fait euh, dans le 3, je crois. Euh, dans les films, euh, bah après il y a le prêt d'Alien. Dans... Ouais, ouais, c'est encore autre Alien. chose. Là, ouais. Donc Ripley et l'armée se réveillent. On fait connaissance avec les différents soldats. Donc il y a entre autres X, qui est le soldat charismatique, joué par Michael Bain. Hudson, qui est incarné par le regretté Bill Paxton, qui est un peu la, la grande gueule un peu bébête. Quoi. Euh, Vasquez, la badass qui se laisse pas faire. Bishop, Lance Erickson, qui est toujours excellent, à chaque fois que je l'ai vu dans un truc, il est toujours super bon. C'est l'Android qui joue très bien au Five Finger Filet. Qui, je pense, est une référence notamment au film scénarisé par Dan O'Bannon et réalisé par John Carpenter, euh, Dark Star, mm -hmm. vu qu'il y a un personnage qui joue justement à ce jeu. C'est une des scènes... Je suis là qui... pour les anecdotes aussi, hein. <laughs> bah Vas-y, je t'en prie, justement. Bah oui. Mais franchement, euh, c'est une des scènes dont je me souvenais. Tu vois, celle-là et, et elle est culte. Ouais, celle-là, je m'en souvenais. Il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est beaucoup plus en mode armé qu'en mode euh, euh, mineur qu'il y avait dans le premier. Ce n'est plus vraiment la même chose. Donc, c'est beaucoup plus masculin dans la manière d'être. Oui, quoi. et il y a aussi, justement, dans l'écriture, une énorme cohésion de groupe. Enfin, tu, tu sens que tous les gars se, 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 se connaissent. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. La seule tension euh, vient entre les militaires et... Euh... Et bah, et les, les deux personnes qui ne connaissent quoi. pas, ouais, voilà. donc euh, leur nouveau lieutenant qui est euh, Gorman, donc euh, le gars qui est censé être bah, le, leur chef et qui est un peu un novice, un gros et euh, Ripley qui euh, bah, leur vend une histoire abracadabra pour reprendre ce cher Jacques Chirac. Il y a, il, comment dire Beaucoup de dialogues qui permettent d'étendre euh, un petit peu cet univers et, et, un, et un dialogue qui m'a étonné. Et qui, qui, je pense, parle de transidentité, mais euh, où, où justement, bah, euh, bon, bah, les Marines, hein, c'est un milieu macho, euh, est, euh, on a des gros muscles, on est les plus forts et machin. Euh, T'as Frost qui dit Tu euh, te rappelles ce qu'on qu leur a mis à ces arthuriennes Et t'en un qui. C'est. Euh, euh, oh, je oublie son nom, bref. Un gars qui lui dit euh, Ouais, sauf que la, la tienne, c'était un mec. Et euh, Frost qui dit On s'en fout, les arthuriens, ils sont tous bons pieux. <laughs> J'avais pas noté ça. Moi, je pensais qu'au niveau transidentité, tu parlais, on t'a déjà pris pour un homme, non, et toi, enfin, tu vois, ce genre de. Cette petite phrase qui est balancée à Vasquez. Enfin, je, je veux revenir là-dessus, c'est que même, en fait, quand tu as justement bah, Ripley qui fait son rapport à la compagnie, derrière, tu as euh, les biographies euh, des personnages, enfin, des, euh, du premier film. Si on regarde, euh, tu as le personnage de Lambert interprété par euh, Veronica Cartwright, dans lequel il dit qu euh, en, en gros, euh, réassignation à la naissance. Ah, ok. À la naissance. Plusieurs légendes tournent. <laughs> D'après une interview que j'ai que, que, que eue avec euh, Veronica Cartwright, elle n'était pas au courant. D'autres disent que c'était euh, écrite dans euh, la biographie du personnage de Lambert qu'avait fait euh, Ridley Scott. Qu'elle était euh, bah, une femme transgenre réassignée à la naissance. L'idée, c'était quoi euh, C'est qu'en gros, euh, c'est une méthode qui détecte euh, les, les cas de. Euh, ah, euh, euh, J'ai oublié le terme, excusez-moi, ce n'est pas dimorphisme, c'est un oui, autre oui, terme. Vois, ouais. les, personnes les personnes transgenres pour me corriger. Mais en gros, il détecte le, le truc et euh, bah, ils corrigent ça à la naissance. Okay. Bon. Bon, bon, on bah, est dans va, les ouais. années 80. <laughs> On a Apone qui mange les cigares. Je crois que c'est un vrai militaire, lui, si je ne me trompe pas. L'acteur. De mémoire, ouais. Ouais. Il fait que ça, il bouffe son hey, cigare. Sergent, il serait, il serait temps de faire attention à ce truc, ça va vous donner le cancer, lui dirait Hudson. Vous avez un préféré ou une préférée dans le crew Vasquez, celle qui a les meilleures punchlines. Vasquez ne fera pas d'unanimité aux personnes qui, aux personnes mexicaines. <laughs> Ouais, c'est vrai que j'ai elle... vu qu'elle n'était pas jouée par une Mexicaine, hein, si je me trompe pas. Bah, en... L'actrice euh, Janet Goldstein, euh, elle est irlando-brésilienne. Puis bah, le truc, c'est qu'elle est blanche comme un cul à la base. Ah, ok, donc c'est du ah, brown ouais face, quoi. Ils l'ont ouais. maquillée pour le film mais euh... tu sais, elle, elle joue dans beaucoup de films de Calbron, hein, tu la vois aussi dans Titanic, hein, tu sais, oh, Shine, elle joue, elle, joue la, la, elle joue la mère adoptive de, de John Connor dans, euh, dans Terminator 2. Mais euh, oui, ou... mais merde C'est étonnant qu soit, que Twitter ne, ne se soit toujours pas emparé de ça, j'ai l'impression. Si, si. Alors, <laughs> ça, ça fait un petit bout de temps, mais donc c'est pas un truc qui fait, euh, qui fait les gros titres parce que c'est un film des années 80. Ouais, voilà, voilà. Tu as, as un perso préféré dans le crew euh, J'ai bah, Replay. Replay, euh, si on doit choisir en dehors du de replay, oui, en dehors de replay, je veux dire le crew de, de, de Marines, quoi, ouais, les Marines, parmi les Marines, on euh... compte Bishop. Allez, on va être gentil. Bah, Bishop est pas assez développé pour que ce soit mon préféré, mais si j'adore beaucoup Bishop, je veux dire Hudson. Moi aussi. J'adore, j'adore X, j'adore, je, je mettrais X et Hudson sur, sur le même tableau, parce qu'en fait, ils évoluent tous les deux. Game over, man! <laughs> je game sais, over. Je me suis dit, ah, c'est donc là que ça vient, ce game over, man! Je sais euh... pas si t'as suivi la partie, mais on vient de se faire torcher le cul, mec! Mais tout ce qu'il qui dit pendant le film, à chaque fois, il finit par man dans sa manière de le dire et, et il, me fait, il me fait bien marrer, ouais. Euh, mais c'est vrai mm. que sinon, euh, Vasquez, s'il n'y avait pas le problème actrice, c'est un très bon personnage aussi, super intéressante. Euh, ouais. Enfin, tu, tu vois, j'ai bien aimé à peu près tous les personnages du film, mais. Euh... Mais c'est X au final qui m'a le moins marqué, j'ai l'impression. En fait, c'est le personnage qui aurait pu être le héros du film dans Police, un film classique. dans un film classique où c'est pas replay et tout, ça aurait été lui le héros du film et on se... ça aurait été chiant. Tu vois et... bah, C'est ça, ouais, il est vraiment lisse, comme tu dis, ouais, bah, ouais, Loïc. Le, voilà. le, le truc, c'est qu'en fait, on, on pouvait, je, je pense, je, je, je pense qu'on pourrait, qu pourrait dire qu'il est lisse, mais le truc c'est qu'en fait c'est le truffion de base qui fait le con. Le mec, il, il, le mec qui a tellement l'habitude d'émission qu'il s'endort euh, pendant une entrée dans, dans, dans l'atmosphère d'une planète. Tu as X qui se retrouve euh, à un moment donné à la tête de l'équipe et, et qui au final ne prend pas vraiment de décision par lui-même parce qu'il a confiance en replay et il suit ses directives. Il a confiance en elle et, 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 et malgré le fait que Burke soit, on va dire entre guillemets, le responsable de la mission, alors que c'est une mission militaire, eh ben il écoute Triplet, il l'épaule, il, il, il est toujours de son côté, il ne la remet pas en question. En fait, le truc c'est qu'il a un côté love interest féminin dans un film classique où c'est un homme qui serait le, le personnage principal. C'est que dans ouais, ça, tout à fait. Il, il, est, il est clairement limite écrit comme si c'était juste le love interest féminin. Euh, qui est plus ou moins lisse, comme beaucoup de Love Interest écrits à cette époque, qui sont juste là pour mettre le héros en valeur. Et ça, je trouve ça très malin de la part de Cameron, par contre, d'avoir fait ça, euh, d'avoir échangé les rôles. C'est en cohérence avec Cameron, parce que bon, voilà, Cameron, son, son modèle de personnage, c'est sa maman. Alors, alors, alors que Cameron est un pacifiste convaincu, c'est également un amoureux des armes. Ouais, peu, Et ouais. il n'est pas amoureux des armes de par son père, il est amoureux des armes de par sa mère. Et euh, du coup, bah, pour lui, les personnages les plus intéressants sont les personnages de femmes fortes. Donc, c'est pas étonnant qu'en fait, qu'il y ait une, une inversion des rôles en, en termes d'écriture. D'autant plus que bah, le personnage masculin Love Interest est un militaire et que la femme est une civile. C'est comme dans Terminator 2 où Sarah Connor devient le personnage badass de film d'action pendant que le Terminator devient babysitter. Ah, il y a une référence aux Illegal Aliens. Euh, je me demande comment ça a été traduit ça en français c'est pour ça que justement James Cameron a utilisé le terme xénomorphe qu'il avait déjà euh, employé dans son script de Mother comme ça tu donnes un autre terme que étranger en, en, en... de toute façon je conseille pas le film en français le, 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 le film en... j'adore la VF surtout la VF des films des années 80 années 90 tout ça je les adore mais Aliens en VF c'est affreux il y a beaucoup d'aberrations. Il y a beaucoup de combinaisons euh, de, 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 de doublage qui, 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 qui s'entrechangent les, les rôles pour des raisons X ou Y. D'ailleurs, X. Il y, y a un moment donné, il est doublé par euh, Medondo qui euh, fait Bishop, euh, Bishop qui est doublé par euh, Alphos euh, qui fait X. Il y, y, y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des traductions qui sont vraiment hasardeuses. Malgré Tedna Torrens, qui joue une replay absolument impeccable. Vous avez une question C'est une vraie mission de combat, mon lieutenant, ou alors une chasse aux moustiques Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucun contact avec la colonie et qu'un xénomorphe peut se manifester. Excusez, mon lieutenant, un quoi Un xénomorphe. Ça, c'est ton moustique. Et on va à la chasse à cet insecte. Replay Voilà tout ce que je sais. On s'est posé sur LV426. Peu après, on a ramené un homme d'équipage qui avait quelque chose accroché à son visage, une espèce de, de parasite. On a essayé de l'enlever, il y a rien eu à faire. Plus tard, cette chose s'est détachée toute seule et elle est morte. Kane allait bien, mais pendant le dîner, euh, apparemment, ce parasite avait pondu dans sa gorge une sorte d'embryon et Kane, a, il a commencé à. Écoute, ma grande. Je veux savoir une seule chose. Où est-ce qu'ils se cachent Ouais, Vasquez, si tu les auras Quand ils veulent et comme ils veulent. C'est ça, c'est ça, une vraie Mexicaine. La tête lui sert à rien, c'est la gâchette qui lui sert à penser. Va te faire foutre. <laughs> quand tu veux, ma grande. Quand bon, c'est fini Ripley montre qu'elle sait piloter les exosuits et c'est marrant parce qu'on se dit je me demande si ça reviendra dans le film ça parce que sinon la scène n'a absolument aucun intérêt elle est balancée comme ça au début du film et hey, regarde j'ai piloté les trucs ok c'est bien un replay et le film ouais est beaucoup est peu... beaucoup plus masculin je trouve on est vraiment dans un pur film militaire il y a quand même le petit tambour en fond quoi par moment là très militaire ouais voilà les flingues c'est même plus des flingues ah, les, flingues du futur. les flingues du futur ils sont énormes quoi. Bah, en fait, des flingues du futur qui sont en fait des, euh, des mitraillettes de la seconde guerre mondiale montées sur des euh, steadicam de l'époque ouais c'est souvent comme ça hein, comme les flingues dans Star Wars et tout merde j'ai dit Star Wars <laughs> et là ouais donc on est en plein dans la, dans la critique limite slash parodie de la guerre du Vietnam tu vois avec des militaires euh, un armement largement supérieur qui se font battre par des gens qui savent survivre euh, C'est plus ou moins ça, quoi, qui viennent envahir une autre planète. Qui connaissent mieux le terrain, ouais, euh, voilà. qui sont plus adaptés au terrain, qui euh, sont sur un territoire que bah, les militaires ne devraient pas revendiquer. Et au final, même une gamine de, de, de 10 ans a survécu plus longtemps qu'eux, elle leur dit qu'ils vont crever d'ailleurs. D'ailleurs, en gros, pour survivre à l'alien, il vaut mieux être petit et pouvoir te faufiler partout. C'est comme ça, en fait, pour survivre à l'alien. Si t'as des flingues, ça change pas grand-chose. Bah, euh, D'ailleurs, dès le début, quand, quand replay, je sais pas comment, se rend compte qu'ils sont en dessous du système de refroidissement d'un réacteur nucléaire, là... Oui. Euh, au final, on, déjà, on leur dit de se débarrasser directement de, de tous leurs trucs explosifs. Donc, ils se retrouvent à moitié amputés, au final, de, de leur armement. Et ils ont plus que des balles normales, quoi. Ouais. Donc le crew débarque sur la planète LV 426, mais après quelques recherches, ils se rendent compte que la colonie a disparu. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu le space jockey et son vaisseau Eh ben ça faut voir la director's cut. Ah bah, oui, c'est dans l'intro de la director's cut. Ah vas-y. C'est une lune, c'est pas une planète. C'est un planétoïde. Oui. <laughs> bah, en fait, au tout début euh, du film, et c'est c'est euh, pour ça que j'aime pas trop la director's cut aussi, parce que je trouve que ça enlève un peu euh, de bah, de l'attention. Euh et de l'inconnu du film, c'est euh, les, les parents de Newt euh, sortent en expédition avec Newt et son frère, s'il ne dit pas de bêtises du coup, jusqu'au vaisseau euh, du, euh, du premier alien en fait. Et oui. c'est comme ça que l'infestation commence, c'est euh, le, 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 euh, le père de Newt, s'il ne dit pas de bêtises, qui se fait happer euh, par un facehugger. Le fait est que euh, non, cette scène est importante. Cette scène est, est importante parce que euh, dans la version cinéma, c'est juste après le rapport euh, de replay auprès des autorités, machin, médule. On coupe sur Burke et euh, Gorman, donc le, 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 le militaire qui est en charge des, marine, des, 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 des Marines, des ils, ils viennent chez Ripley. Ripley qui a changé de coupe de cheveux, machin, médule. On ne sait pas combien de temps c'est passé et qui viennent leur dire :« Ah oh, bah écoutez, vous savez quoi On n'a plus de nouvelles euh, de la station là-bas. » Alors que bah, la director's cut nous montre la vie euh, sur, sur, cette, euh, sur cette colonie, que c'est bien sur la planète du premier film, et aussi que bah oui, il y a un gap entre le temps où Ripley est récupéré et euh, le moment où, où Ripley est appelé bon. à revenir sur euh, le planetoïde. Bon, je n'ai pas vu la director's cut, donc je ne peux pas vraiment juger. Mais personnellement, je suis beaucoup plus fan de ne pas savoir ce qu'il y a sur la planète avant d'y aller. Que d'avoir un une scène avant pour nous montrer que voilà ce qui se passe. Quoi. Je trouve que c'est d'autant plus, plus douloureux. C'est un peu plus fluide comme ça, justement. C'est d'autant plus Mais c'est d'autant plus douloureux parce que justement tu te rends compte qu'il y a des familles et tu vois qu'il y a des gosses. Je pense que tu, juste et... te le dire, ça suffit. Hein. Non, pas des masses, tu t'en rends pas vraiment compte. Bah on te le dit. Après, une fois que tu vois qu'il y a 150 aliens. Euh, ils disent le nombre de familles qu'il y a sur place. 70 personnes disent cette famille. Ouais. Ah, il y a un gros trou d'acide et des face encore en vie dans les tubes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui apparaît dans ce film, qui apparaît dans tous les jeux vidéo aliens, et c'est le radar pour trouver les aliens. Ça fonctionne super bien euh, d'utiliser la technologie comme ça, euh, je... ça, te ça... Montrer montrer. Ça, ça. Ça te permet de montrer sans montrer, ça te permet d'avoir une appréhension par rapport à la menace sans savoir si c'est vraiment une menace. Ouais, voilà. Il trouve une petite fille qui a survécu là pendant des mois. Elle s'appelle Newt et ne parle pas beaucoup. Alors Ripley décide de s'occuper d'elle. Et en gros, c'est un des gros thèmes du film en plus. Euh, vous aimez bien cet euh, cette aspect de, de replay Est-ce que ça apporte à son personnage, euh, ce, ce petit personnage de Newt bah, Oui, un enfin, perso, ça, ça, ça la rend plus entière, entre guillemets. C'est pas juste euh, la, la survivante euh, qui est énervée. Tu vois, elle, a, elle a aussi euh, bah, son lien avec la Terre au final. Parce que nous, on la voit juste exister dans l'espace, euh, alors qu'elle bah, vient aussi de la Terre, quoi. Et vu qu'elle a perdu sa fille, mais bon, ça on l'a pas dans la version cinéma par contre, ça, ça crée aussi un raccord et un transfert. Ça, ça, ça sort pas de nulle part au final dans la version Director Scott, ça c'est un peu cool. T'as vraiment ce truc d'un côté, elle a perdu sa fille, elle l'a pas vu grandir, et de l'autre, ben, elle trouve une fille de substitution. J'ai eu une conversation là au dernier épisode avec des gens qui disaient qu'en gros, euh, c'était pas du tout là que son personnage aurait dû aller, dans cette direction là en fait. Qui trouvent qu'au contraire. Euh... La, la, de tout de suite la, la caractériser, euh, que ce soit sa féminité qui la caractérise avant tout, alors que le personnage n'était pas forcément comme ça dans le premier, ça trahit un peu le truc. C'est ça, en fait, je pense aussi, ça dépend comment c'est joué. Ouais. C'est pas non plus euh, une maman poule, quoi. C'est elle qui récupère la gamine parce que c'est pas les autres bourrus qui vont s'en occuper de base. Euh, et au final, enfin, euh, ouais, voilà, elle la colle pas partout, elle la cocoune pas. Elle s'interpose quand c'est la merde et. Euh... Et voilà, elle sort le lance flamme quand il faut, mais euh, c'est pas non plus un clichéton de euh, c'est une femme avec un enfant quoi. Mmh. Après, la Daryl Thorskeut apporte quelque chose, c'est ça reste quand même une mère qui a perdu sa fille et qui euh, se... c'est là le premier avec la version ciné parce que si tu mets la version ciné, ça arrive un peu gratuitement et le le changement du, du personnage est euh, est abrupt. C'est le bon mot? Abrupt. 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 Pardon, excusez-moi. Quand, quand, on, quand on te dit qu'elle bah, avait, qu avait une famille, qu'elle avait, qu avait, qu avait une fille surtout, qu'elle qu a perdu, que là, elle a une enfant à protéger, une enfant à sauver, qui elle-même a été confrontée au même traumatisme qu'elle a vécu, elle, voire pire, parce que Newt a, a, a vécu pire. Elle, elle, elle a perdu sa famille contre, enfin, face aux aliens, elle a perdu des amis, a, il, y a, il y a des enfants qui sont morts devant elle et tout. C'est inimaginable ce que Newt a vécu et puis sa poupée a pris non. cher aussi hein. oui mais en même temps euh, sa poupée a beau être un doudou, newt elle, elle est très réaliste et, et elle le dit c'est juste un bout de plastique là elle est confrontée à des, elle fait face à des êtres humains et elle sait qu'il y, qu y a une replay qui est, qui est prête à la protéger ça apporte une, une, une caractérisation plus humaine outre que l'ouvrière ou que la personne individuelle qui va chercher à sauver sa vie dans, que tu as dans le premier film elle est bien, l'actrice qui joue Nut. Ouais, et puis c'est un accident. C euh... Ouais, elle a fait que ça, hein. Bah, disons qu'en fait ils ont fait des castings vu qu'ils devaient tourner en Angleterre ils ont fait des castings en, des, des castings en Angleterre euh, et ils ont quasiment trouvé que des gamins souriants tu vois, euh, qui étaient prêts à faire des, euh, des, 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 des pubs pour des dentifrices ah bah elle elle fait bien les misérables hein. <rire> oui <rire> bah, ils l'ont trouvé sur sur, bah, sur sur une base euh, une base américaine implantée en Angleterre euh, donc niveau accent il n'y avait plus de problème c'était pas non plus des plus souriantes c'est ce qui a fait mouche parce que bah, on, on, tu, tu veux un, une, une, une actrice qui joue Newt, tu, tu veux pas, euh, je sais pas, j'allais avoir un comparatif et je l'ai perdu. Bon, tu veux pas un gamin souriant, tu, tu veux, veux pas pas euh, culkin. Voilà, tu veux pas Mac culkin tu, tu veux pas un gamin qui est le sourire bright et euh, qui soit toujours en jouer en mode euh, ouais. super, il y a des aliens, on va tirer dans tous les sens. Génial. Non, elle a l'air vraiment déprimée. Qu'est-ce que tu dis Newt. Je m'appelle Newt. On m'appelle jamais Rebecca, sauf mon frère. Newt. C'est joli. Et moi, c'est Ripley. On va être très amis, toi et moi. Donc Cameron euh, adore la lumière bleue dans le dos des gens, hein, quand même, faut le dire, c'est un peu son truc, hein, c'est son kink. Ils vont direct dans la gueule du loup, et encore une fois, les murs transpirent, ça c'est ça. ça. Il, il aime le métal poli. <laughs> il aime le métal poli, c'est vrai. <laughs> <laughs> Il a des trucs bien précis hein, quand même. Dans, dans, ouais, dans... Hein. Euh, Est-ce que c'est là qu'ils ont inventé le coup des caméras embarquées dans le flingue des... Parce que c'est un truc qu'on revoit beaucoup, par exemple, là je repense à Jurassic c un truc que as World mes films Alien. Vraiment oui, t'as déjà. Sa... Bah oui, as déjà. Sa... Ah ok, bon, bah, autant pour moi, je m'en rappelle plus. C'est putain, excusez-moi, ouais. bon, ce sera coupé. Puis ça, <laughs> bah, bah non, c'est pas inintéressant. D'autant plus que euh, bah c'est une technique qui te permet de euh, d'avoir des effets spéciaux euh, qui, qui passent bien. C'est une technique qui te permet, par exemple, on va dire du point de vue du vaisseau qui amène les Marines vers la station. Euh, Let's hope, ça te permet de de gommer des détails, de de ne pas Trop montrer que c'est une maquette, ça permet d'avoir une plus d'ampleur et euh, de gommer des défauts. Sachant qu'en plus, t'as pas les images directes euh, de la caméra. C'est en gros, c'est la caméra qui filme l'écran. C'est-à-dire que non seulement tu as les artefacts dus euh, à, à la vidéo qui est tournée, mais en plus, tu as les défauts dus à la réception euh, de, de l'écran. Et ça marche très très bien. Ça, mar ça marche très, très très bien, que ce soit en termes de taille ou que ce soit en termes de, 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 de qualité. Parce que bon bah vu que euh, le budget est un peu réduit, tu dois faire attention à ce que euh, les artifices ne soient pas trop visibles. Donc ils voit un Chestbuster sortir du torse de quelqu'un. Euh, il est beaucoup plus gros que dans le premier. Hein. Euh, C'est pas moi. Hein. Le truc qui il sort a même des bras. Vent... Ouais ouais, il est vraiment oui. très très grand. Hein. Il... Enfin, oh, je préférais le petit. Moi, le petit il était mignon. Il faisait... Avec sa petite queue en folie qui sort. Ouais, là, voilà, tu vois, il, le... il, fait son petit, il fait son petit footing, tu vois, il est mignon. Voilà, si on veut que je critique Alien, là, pour quoi je dirais ce plan, il est un peu foireux. <laughs> si il, est... Est drôle, moi, il, ouais, il est faire, drôle. Il est, il est trop drôle. C'est ce que je disais on passe d'un des moments les plus marquants de l'histoire du cinéma où tu sais pas ce qui va se passer, le truc qui sort et tout, à ah, d'un seul coup, tu te poêle en voyant le machin courir. Quoi. Euh, tu, tu, fais, tu passes vraiment de deux émotions qui n'ont rien à voir entre, eux, entre elles en l'espace d'un quart de seconde dans cette scène. Et... Et en plus, lors de, je veux dire, l'éclosion, James Cameron réutilise quelque chose que qui n'était pas censé être réutilisé dans un director's cut de Ridley Scott, c'est le « moi". Ah ouais, c'est cool. Quand dans un director's cut, t'as Sigourney, enfin quand t'as Ripley qui tombe sur Dallas, qui euh, bah, va être euh, inséminée euh, par le cadavre euh, de Brett, qui se change en œuf. Dallas lui supplie, lui, la supplie, "tue moi ah. et". Ensuite, elle le flambe. Dans la version ciné, ils ne l'ont pas gardé et James Cameron, lui, l'a réutilisé. Oh, ça, c'est un bon recyclage. C'est un bon recyclage. Un petit, un petit truc cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments gigueurs dans ce film. Enfin, mais il mmh. y a un moment où l'alien est caché dans le, dans le mur et, euh, et il sort de nulle part comme ça euh, ah, oui. du mur. Et ça, ça, fait, ça, fait, ça faisait tableau de Giger, quoi Ça faisait vachement tableau de gigueur. Oui, là, tu as une scène où, justement, as, bah, quand ils sont justement en train d'explorer les lieux, tu as tout un, tout un décor qui a été recouvert par les aliens d'une résine qui, a, qui, qui sculpte des décors magnifiques et tout. C'est très organique, très biomécanique. Et effectivement, oui, tu as un plan où tu as un alien qui sort de ces décors, alors que bah, c'est un, un, camou un camouflage parfait. Donc, Ripley, sauf quelques Marines en roulant sur des aliens au passage. Euh, sa première rencontre avec l'alien dans le film, techniquement, c'est en lui roulant dessus. Il n'y a, y a, de, a rien de très euh, héroïque ou culte ou un truc comme ça. C'est juste. Allez hop Et... Si, mais c'est héroïque parce qu'elle elle, elle a, a une prise de décision que n'a pas Gorman, le, le mec qui est censé diriger les militaires. C'est quand même fou. Bah, pense... il Gorman, c'est sa deuxième véritable mission. Et Ripley prend les devants en allant sauver euh, les militaires escapés. Lui, Burke, qui veut sauver les aliens, car c'est un peu... Enfin, il, il vend ça genre en mode écolo, tu sais, il faut sauver les espèces et tout. Euh, alors que bon, ça se voit très bien que c'est pas ça. Euh. Et là, on est, euh, bah, on est un peu dans, dans du Avatar, là, un petit peu sur les bords. Enfin, ça ressemble à Avatar, le personnage de Burke. Bah, il y a exactement le même perso dans Avatar, au final. Celui mmh. de Giovanni Ribisi, là oui, ouais. c'est ouais. vraiment elle, le représentant de la compagnie euh, qui en a rien à foutre euh, de la vie des gens. Euh. Il fait vrai, il, fait, il recycle toujours les mêmes thèmes, mais avec, avec une peinture différente et avec une technologie différente à chaque fois. Mais ça, ça revient souvent à hein, l'histoire de compagnie. Hein, euh, t'as ça dans Abyss, t'as ça ouais. dans, euh, dans Terminator avec. Euh, Titanic aussi Cyber une... Cyberdean, Titanic, mm -hmm. oui. T'as ça dans Total Recall, Non, je déconne. Les aliens attaquent le vaisseau des Marines de l'intérieur. Par contre, bon, bah, pour tout ce qui est scène d'action, il euh, n'y a pas grand-chose à... <laughs> à décrire à part ils tirent sur des aliens. Et à part le fait que bah, James Cameron maîtrise putain de bien la rétroprojection, cest c'est-à-dire filmer ses acteurs devant un écran sur lequel est projeté euh, mmh. des images pré-filmées. Euh, Avec des de, miroirs et des, des corps c'est hein. juste oufissime mais ça il le maîtrise depuis qu'il bûche chez Corman et euh, il le maîtrise depuis le premier Predator où il a eu droit à des grands écrans la rétroprojection en plus qu'il réutilisera jusqu'à Terminator 2 il maîtrise ça et, il, et, et ça rentre trop bien il arrive à, ne, à, à limiter l'usage de fond bleu en l'occurrence à l'époque là c'est surtout du fond bleu ce qui permet. Euh, alors, je ne dis pas que tous les effets sont, sont fabuleux. Hein. Il, y a, il y a des effets fond bleu qui sont foirés et vous pouvez le regarder avec. Des, vous pouvez voir certains plans avec des artefacts, notamment avec le vaisseau qui rentre dans deux miniatures. Vous verrez, par exemple, sur le coin droit, il y a un, un surlignage noir. Ça, c'est un problème de, euh, de synchronisation entre l'image filmée sur fond, sur fond bleu. Et euh, bien le glisser correctement sur la zone où on voudrait l'incruster. C'est grave intéressant, ouais. c'est ouais, ouais c'est. Euh, J'avais lu justement ouais, qu'il utilisait beaucoup des miroirs et des écrans et des trucs comme ça parce que, par exemple, il y a un moment où il y a, où y a cette, euh, cette entrée pour rentrer dans je ne sais plus quel. Euh, t'as et... oh, même, un, t as, t as même un, un, un problème de continuité où il dit euh, vous pouvez rentrer par euh, le SAS Nord et quand tu, euh, quand tu regardes le film, bah, tu vois c'est euh, Doc euh, South Doc. Donc euh, de, le Doc Sud. Ah bah les gars s'il vous plaît, merde. <laughs> j'ai écouté un petit peu, j'ai fait attention. Putain faites attention, de merde. Bon oh, Dieu C'est génial C'est génial putain ouvre nous Et maintenant on fait quoi hein Comment on va faire on est dans la merde, dans la merde, jusque là les mecs Son, Tu vas arrêter ah, Bah ça y est les mecs On est baisés les mecs On est baisés Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire hein Qu'est-ce qu'on va faire ouais, Peut-être qu'on pourrait faire un feu de camp et chanter des chansons scout ouais. Ça marcherait peut-être. Bishop se porte volontaire pour aller dans un tunnel afin de trouver l'émetteur qui lui permettra de radiocommander leur vaisseau. Et un peu pendant tout le film on te fait croire que, que Bishop ça va être encore le, le traître comme, comme H. Enfin, tu sens que c'est un peu trop gros. Enfin, tu sens bien que c'est un gentil en fait. Il fait un peu il fait un peu flipper, mais il, fait, il, il, il me fait moins flipper que Holm. Okay. Dans... Ah Et puis okay. que, ah. que, que Yann Holm, d'accord, ok. Je trouve qu'il a l'air plus. Enfin, ça se voit qu'il est gentil, il a une douceur dans sa manière où il le joue. Il Et... bah, y, y a un rappel qui, qui, qui peut te dire qu'il euh, est flippant c'est quand il examine un, un face en disant Magnifique, oui. Ouais, voilà, c'est tout, mais. En dehors de ça, je trouve qu'il. Tu vois, ça, c'est un des indices pour te faire croire, justement, qu'il est comme H. Quoi. Puis ça, c'est pour l'inscrire dans le trauma de, de Ripley, qui, bah, elle a non seulement été traumatisée par les aliens, mais aussi par le fait qu'elle a été trahie par la compagnie Wayland à travers le personnage H. X et Ripley flirtent un peu autour d'un fusil. Euh... Est-ce que c'est la seule fois dans tous les films que Ripley a un Love Interest euh, Non, dans le 3. Dans le 3, Ok. J'étais pas sûr, justement. J'avais l'impression que dans le 3, elle était un peu plus dark. Dans le premier, elle aurait dû jouer le rôle de Lambert, qui avait une relation sexuelle avec Dallas. Mais bon, ça a été changé au dernier moment. Ça, ils en parlent pas du tout dans le premier, qui a Dallas et Lambert. Ah. Ouais. Euh, si, t'as une scène coupée. Mais du coup, vu que c'est une scène coupée, on s'en bat les couilles. <laughs> Newt et Ripley se font attaquer par des face-huggers que Burke a planté là, c'est ça? J'ai pas tout compris en fait. Il les enferme, et il les enferme avec des facehuggers. Est-ce que c'est lui qui les a mis là ou... C'est l'instant directors cut. <laughs> ok. D'accord. Bon, entre temps. Toutes mes questions, euh, ont une la... réponse. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Euh, le, le truc c'est qu'en fait, euh, voyons voir. Les euh, emmène euh, Newt faire dodo. Il y a une scène d'horreur qui est absolument fabuleuse, qui est géniale, qui c'est dommage qu'elle qu est pas dans la version ciné. C'est euh, les euh, les mitrailleuses automatiques qui étaient les mitrailleuses à détection. Ah j'ai vu tu cette vois pas scène. pas trop les aliens. Et elle est géniale, parce qu'elle est flippante, parce que tu te dis, putain, ils sont envahis, les aliens s'arrêtent pile au moment où il y a les dernières munitions qui vont être tirées, où on, où, où on te laisse croire que les aliens ont compris que là, c'est la limite, il va falloir passer par un autre chemin. Dans la version cinéma, ça paraît bizarre, parce que les aliens bah, avaient l'air de pas, pouvoir quoi. passer où elles voulaient. Et donc les facehuggers, ils sont rendus comme ça Ils sont faufilés non, euh... le... Non, les c'est les facehugger que bah, les, euh, les colons avaient gardés en réserve dans et le Non, c'est Burke, Burke, Burke qui, est qui est les a mis. Là, ouais. Ah ok, c'est bien ce que je me. C'était ma question à l'origine. <laughs> Donc ouais, c'est vraiment une saloperie, Burke. Bah, Burke c'est le méchant qui, ouais, du film. Quoi. Coupe la caméra de surveillance quand euh, Ripley essaye de se faire signaler. Euh... Mm. C'est à chaque fois d'essayer quand même euh, dans les films de dans les films de Capron, de Cameron que montrer que le vrai méchant c'est l'humain en fait. Il y a un petit côté toujours un petit peu comme ça et là il, il est vraiment là pour ça c'est parce qu'au final l'alien tu peux pas vraiment lui en vouloir tu dé... tu débarques sur sur sa planète pour aller le tuer euh, tu peux pas lui en vouloir de se défendre quoi tu vois euh, mais Burke par contre lui c'est vraiment une ordure une vraie de vraie quoi bah, une fois que Burke est démasqué c'est d'ailleurs ce que dit Ripley je je sais pas lequel est le pire euh, d'entre vous hum. euh, ces aliens ou euh... bah, non c'est elle euh, dit euh, au moins ces, ces créatures ne se battent pas pour savoir qui aura le plus gros paquet de fric ce serait marrant les prédateurs ils font un peu <laughs> ça hein, techniquement <laughs> ça fait longtemps que j'ai pas vu les prédateurs je n'aurais pas dire ce genre de truc ah, ouais. <laughs> ah, leur intérêt c'est le meilleur guerrier Ouais, voilà, c'est le meilleur guerrier, Aiderait toujours de garder un petit souvenir quand même, non, il n'y a pas un truc comme ça. Bah après, c'est une preuve d'avoir vaincu ta proie, mais oui, c'est vraiment le meilleur guerrier qui a vaincu ouais. les proies les plus dangereuses. Quoi. Dans le dernier Predator, Zula, c'est aussi pour s'améliorer génétiquement. <laughs> ah, ok. Euh, J'ai pire à raconter là-dessus. Avant, juste pour dire aux gens que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Alien versus Predator et de si on les ferait ou si on les ferait pas. La réponse, c'est on les fera pas. Euh, on les fera quand on aura fait les Predators. Parce que c'est logique de parler des deux mmh. sagas avant mmh. de parler de, de la fois où elles se rencontrent. Donc on va d'abord faire les Predators et ensuite on fera les EVP, euh, comme ils disent. On revient, Dave Oh, bah ben, de es ouf <laughs> <C> est <laughs> s'invite es, dans le podcast <laughs> Ouais, euh, beaucoup d'invités qui font ça, ça me dérange pas, quoi. Dès qu'il y a un film qui les tente, la porte est ouverte. Je veux pas dormir, je, je fais des cauchemars. Moi, je parie que Carole n'a jamais de cauchemars. On va regarder. Non, tout est parfait là-dedans. Tu vois Alors il faut que tu fasses comme elle. Hein Ripley, Carole ne fait pas de cauchemar parce que c'est juste un bout de plastique. <laughs> tu as raison. Pardon, Newt. Ma maman disait que ça n'existait pas, les monstres. Que c'était pour rire, mais il y en a. Oui, il y en a, ça existe. Et là, on entre vraiment dans le pur film d'action. C'est que ça canarde quoi. Euh... Ils sont différents bah, les aliens, je suis en est d'accord C'est pas les mêmes aliens que dans le premier. Non non. Euh, au niveau des épaules et du torse, je crois qu'ils sont pas foutus pareil. Bon, en gros, euh, Cameron voulait s'approprier le design des aliens euh, sans Giger. Bon pour ma part, j'ai une parade dans ma tête, mais en même temps, c'est validé par euh, les, euh, les costumiers, enfin notamment Stan Winston et euh, Tom Woodruff, qui disent que euh, bon bah on va changer les trucs. On va dire que c'est juste que c'est des aliens qui ont évolué, hein, sachant que le premier alien n'a pas euh, vécu plus de 24 heures. Il y avait des trucs, euh, des détails, genre, voyez, voilà, les pieds ont changé, les mains ont changé, euh, on passe de six doigts à trois doigts. Il y a des, des excroissances entre le poignet et le coude. Le dôme a disparu, mais ça, c'est parce que, alors, alors que les dômes avaient été fabriqués en plus par les, les costumiers, euh, James Cameron a dit, on va s'en passer parce que, euh, bah, les. Les acteurs vont devoir faire des cascades, ils vont devoir bouger dans tous les sens. Ça va créer des dommages. Et il va falloir les réparer, les remettre en ordre. Donc, il a tout changé. Et aussi, les costumes, euh, c'est d'une simplicité monumentale en termes de structure. C'est en gros des costumes noirs en spandex sur lesquels on, on ajoute des éléments euh, qui font Alien, en plus d'un bustier, euh, des, des boots et euh, des gants et d'un masque. Si tu veux un, voir dans le film un alien qui est euh, détaillé à max, c'est un mannequin ou une marionnette qui se fait exploser. Mais il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, notamment de, sous le dôme, normalement, il devrait y avoir un crâne humain, mais pour garder le côté ne pas avoir Dieu, bon bah ils ont laissé tout ça, ils ont changé, et puis ils ont gardé les, les détails qu'il y avait sous le dôme. Ok, donc j'étais pas fou, ils ont bien changé, c'est pas les mêmes. Mais ils changent à chaque film un petit peu, non Il n'y a pas une différence entre chaque film entre chaque film, si. Ah, si, ouais, ouais chaque ça. film. Il n'y a que dans Alien euh, vs Predator où vraiment ils sont en full CG et je crois que c'est le même modèle. Non. Ah ouais Même là En fait, techniquement, le... dans Alien vs Predator, c'est les mêmes qu'Alien 4, mais avec euh, deux petits détails qui changent et une peinture différente. Okay. Ouais, parce que dans Alien 4, ils étaient marrons pour le coup. Voilà. Et là, ils sont noir bleu. En tout cas, Cameron n'a pas menti dans le titre. Il y a bien plusieurs aliens donc euh, merci et pourtant il y a, y, a, y a cette costumes ouais c'est vrai qu'on n'en voit jamais beaucoup ensemble à l'écran en fait quand tu réfléchis Des aliens bah, euh, euh, oui le, le, le truc pour, j euh, pour lequel je disais qu'ils avaient des costumes en spandex avec des, avec des détails dessus c'est que euh, bah euh, Cameron avait pensé sa photographie pour qu'on ne voit pas les aliens en détail et pour qu'on voit surtout des silhouettes pour qu'on n'ait pas vraiment le détail et que ça reste horrifique mmh. et euh, quand on parle d'action au moment où justement bah la scène dont tu veux parler, où tu as tous les aliens qui débarquent par le plafond. Toi, à un moment, on se dit Mais, mais ils sont censés être avec nous, là, on les voit pas. Mais, mais ils sont au-dessus de vous, les gars. C'est une scène d'horreur. C'est une putain de scène d'horreur. Et au moment où ils débarquent, tu ne les vois même pas en détail. Bah, c'est De toute façon, l'alien, c'est ce genre de personnage de design qu'il ne faut pas voir de jour. Tu vois, quand Et il y a des lumière. Même si tu ne le vois pas. Ça garde le même principe du premier film, c'est que même si tu le vois pas, il est omniprésent. La menace est omniprésente. Non, moi, ça me faisait penser, à, par exemple... Euh, tu as déjà vu Batman de jour Comme c'est ridicule. Bat ah, carrément Batman, quand il est de jour, c'est ridicule. Et l'Alien, c'est pareil, quoi. Le, au moins, t'en vois, au mieux, c'est, quoi. Je suis sûr que Predator, ouais. ça doit être pareil aussi. Enfin, il, il doit y avoir pas mal de personnages comme ça euh, qui, euh, qui fonctionnent que de nuit, quoi. Après, attends, on le voit pas mal en plein jour. Oui, hein. on le voit de jour. Ouais. Ouais. Lui, il est toujours dans la jungle. Ouais. Mais, mais lui, ça passe, parce qu'il est quand même très badass. Ouais, voilà. C'est sa badassitude qui fait, euh, qui, 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 qui fait tout le caractère du personnage. L'alien, justement, c'est... Euh... C'est sourdois, c'est rapide, on le voit pas euh, tant que ça. Euh, le truc est dégueulasse. L'alien, c'est plus la peur ouais. de l'inconnu au final, quoi. Tu vois. C'est aussi le pire cauchemar que tu peux avoir parce que ça, ça, ça parle pas, ça ne vous, ça n'a pas d'œil, C'est enfin, c'est vraiment une sorte de vrai cauchemar total. Alors que le Prédator, c'est plus, euh, lui, il, va, il limite sa tenue qu'à lui. Il te mettrait dans un dans un ring de gladiateurs et il se battrait contre toi. Enfin, c'est c'est pas du tout pareil au niveau des. Des, des motivations, quoi. C'est pour le combat. Le Predator, c'est ouais, le voilà. combat, c'est ce donc... la chasse, c'est le... de l'honneur, en fait, les Predators. Ouais. Et... Ah, bah, c'est que ça, oui. Il y a bah, tout leur bail de rites d'initiation pour devenir un adulte, même enfin, un truc qui est rajouté dans Alien vs. Predator, au final, mais la marque, etc. C'est vraiment, genre, montrer que t'es un guerrier valeureux, quoi. Dans les comics aussi, d'ailleurs. Alien, se... c'est juste procréer, euh... exister, est euh... On a Burke qui se fait bouffer. De manière assez. Mm -hmm. euh, voilà, ça s'est fait, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de moment. Euh... C'est juste. C'est la mort qui méritait. C'est assez agréable à voir. Il y a toujours un personnage comme ça dans ce genre de film. Tu sais, les, les dents de la mer, les Jurassic Park, les trucs comme ça. Un qui mérite de se faire bouffer. Tu vois, il y en a toujours au moins un. Et ben bah, là, c'est Burke. Bah, dans une scène coupée, en fait, à la fin, tu as Ripley qui euh, le retrouve et euh, il est inséminé et euh, il supplie Ripley de, la, de le tuer. C'était quand même plus agréable. C'est une scène coupée que t'as pas dans la derrière ce que hein, je précise. Vous êtes cinglés, Burke, vous vous en rendez compte <laughs> Vous croyez que vous réussirez à faire rentrer ces créatures malgré l'astro-quarantaine hmm Ils les laisseront passer, ces créatures ne sont pas répertoriées. Mais moi, j'expliquerai tout, Burke. Ne rêvez pas. Ça et reste, on saura que vous avez été responsable, vous seul, de la mort des 157 colons qui étaient ici. Minute, Attendez. Vous les je... avez expédiés droit à la mort. Non, c'est faux. Alors, j'ai lu leurs archives sur leur ordinateur. Directive en date du 6 décembre 79, signée Burke. Avec votre code, vous avez envoyé ces malheureux ici sans leur dire quoi que ce soit. D'accord. Pourquoi ne les avez-vous pas prévenus Réfléchissez. Qui aurait pu affirmer que tout ça existait Qu'il y avait des monstres ici Je n'en savais rien. Bon, alors admettons que je clame partout qu'il y a des risques pour la sécurité ici. Tout le monde s'en mêle. L'administration s'en mêle. Les droits d'exclusivité disparaissent. Bon, et tout le monde y perd. Alors, j'ai cette décision, et c'était mal pensé. J'ai mal joué, Ripley. Oui, j'ai mal, mal joué. Mal joué oui. Mais ces pauvres gens sont tous morts Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ici Mais je vous promets que je ferai tout le nécessaire et vous paierez pour ça. Ce coup-ci, vous ne réussirez pas à vous en sortir. Vous allez payer. Ils suivent Newt dans les tunnels. Euh, Vasquez se fait assider, donc Gorman a son petit moment de rédemption où il se sacrifie et fait tout péter. Et, et je me suis posé la question est-ce que c'est le meilleur euh, job d'actrice de Sigourney euh, dans tous les films qu'elle a fait Est-ce que c'est là qu'elle c'est qu est, est son meilleur euh, film quoi Nous, on a fait tous les SOS Phantom, par exemple, où la pauvre, on ne lui donne pas grand-chose à faire en tant que Dana Barrett, à part quand elle est en zoule et tout, mais sinon, euh, on ne lui donne vraiment pas grand-chose à faire. Et là, en voyant enfin, en voyant enfin deux films d'affilée où, où on lui donne vraiment beaucoup à faire. Je me dis que, ouais, peut-être Alien, c'est peut-être son, son, meilleur, son meilleur film, là, avec le recul. Ah bah, toute, toute la séquence où elle va chercher Newt, elle est à, elle est à 200%, là, pour le coup. Ouais. Elle est super impliquée, quoi. Enfin, tu sens qu'elle est... Euh... Ouais. Tu est... veux vraiment pas la contrarier. Ouais, c'est le ce genre de personnage qu'il n'y a personne d'autre que... Enfin, on dirait qu'elle protège Newt comme elle protège elle-même son personnage, tu vois et la fille qu'elle a perdue, parce que là, a, là, ça réveille un traumatisme. Là, c'est euh, c'est une espèce d'ensemble, de, c'est tout son équipage qu'elle n'a pas pu sauver, c'est euh, c'est la fille qu'elle n'a qu'elle n'a jamais eu, et euh, elle, au fond d'elle, elle sait que euh, les aliens veulent procréer, donc ils ne l'ont pas tuée tout de suite. En fait, je suis même pas certain qu'elle en soit vraiment convaincue. Je pense que c'est vraiment un espoir qu'elle a. C'est c'est la rédemption qu'elle cherche. C'est toujours difficile ce genre de personnage -là, qui se réveille après avoir manqué des années et des années et des années. Parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il leur reste au final et c est, c est, c est, Je pense que le but de, de Newt par Cameron, en plus de la maternité, etc., c'est aussi de donner euh, une raison à Ripley de s'accrocher à l'humanité, de ne pas perdre totalement son humanité, comme je crois qu'elle va finir par le faire avec les suites, si je ne me trompe pas. Newt, euh, Newt meurt au euh, début du 3, hein, c'est ça oui c'est l'idée entre, entre, Ouais c'est ça dans, dans la scène d'intro au final ouais. C'est dommage parce que il qu y a vraiment, ah, y a vraiment oui. un truc pour avoir trois personnages qui pourraient ensuite on peut développer la saga avec ces trois personnages là On Et a euh... une raison qui s'appelle la production Ouais c'est ouais. ça ouais. Ouais. Parce qu'en plus elle a vraiment une mort sale quoi Ça je la prendrai la semaine prochaine sûrement tout ça <rire> <rire> Donc Ripley va chercher Newt avec son lance-flamme Newt est dans un cocon. elle on aura vraiment vu des trucs cette gamine, hein, franchement. Et, et non, elle a le M41 dans, dans les dans les mains, accroché au lance-lames avec le lance-grenade. Elle est prête à en découdre. Elle est iconisée mais méchante. <laughs> là c'est méchant. méchant. Ram... Rambo -ce avec son bandeau dans badass. les cheveux, quoi. C'est euh... euh, une image, euh, une image des années 80 qui reste, quoi. Je pense que ouais, toute sa vie on se souviendra d'elle avec le poster de. Soit elle dans le méca, soit elle sur le poster d'Alien avec la gamine. C'est les moments où Ripley est la plus iconisée, je pense, parce qu'au final, comme on disait tout à l'heure dans le premier film, c'est pas vraiment le but du film d'essayer d'iconiser euh, Ripley. Quoi. Ah, pour dire, j'ai juste à ma gauche et ouais, je confirme. T'as juste quoi à ta gauche le, le poster en question, je l'ai à ma gauche et ah bah voilà. euh, je confirme, elle est iconisée. <laughs> Ripley la sauve et se retrouve nez à nez avec la reine qui est vraiment répugnante. Il y a une absence de musique où il y a la, juste la respiration de la, de la reine. C'est la voix de James Cameron en plus. Qui est... le, la, la, la respiration, les grognements, ah ouais c'est James Cameron. Le design, c'est James Cameron. Okay. Sachant que Stan Winston, euh, qui est bah, je dis, bah, expert effets spéciaux, euh, le mec qui a fait le T-Rex de, 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 de Jurassic Park, il a proposé des designs. Au final, on est revenu au design de James Cameron, qui était bien, bien plus proche de ce que euh, Giger aurait pu proposer. Ouais, ça ressemble à du Giger. Hein. Ouais, et, et pour l'avoir vu euh, au musée du cinéma et de la miniature à Lyon... C'est pas, euh, pas la même. C'est pas la même C'est celle d'Alien versus Predator. Fais confiance à Loki. Ah oui, non, mais oui, tu raison, c'est écrit. Mais pour le coup, ouais, tu, tu sais que c'est euh, une marionnette, mais t'es pas serein euh, du tout. C euh, c le design est vraiment incroyable. quoi. Là, c'est... Enfin, les, les, les quoi, les 15-20 dernières minutes, c'est explosion, 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 explosion. C'est du bon années 80, quoi, comme on les aime. <laughs> oui, le... et, et en plus, pour simplifier le tournage à Sigourney Weaver, vu qu'elle qu doit courir dans tous les sens, euh, dans des couloirs assez, euh, assez serrés, euh, il faut éviter à l'actrice euh, Carrie anne, donc la gamine qui joue Newt, euh, bah, pour lui éviter les chocs, bah, on lui met un mannequin dans les bras. Vous pourrez voir sur certains plans serrés euh, la main de Carrie anne qui. Bah, qui n'a pas l'air vivante, hein. on dirait vraiment une, une main de poupée mais c'est vraiment si vous regardez très précautionneusement le plus, le, le, le plus clair du temps elle porte un mannequin et pas la gamine voilà, c'est <laughs> tout ce que je veux dire donc, euh, donc ouais comme je disais tout va exploser, c'est la fin d'un Alien donc forcément tout va exploser et euh, on te fait croire que Bishop va les trahir mais en fait non, c'est un bon Terminator gentil et X-Bishop, Newt et Ripley s'en sortent en vie il peut rien leur arriver d'affreux maintenant, mais c'est Alien, donc forcément, il y a le petit... Euh... C'est un peu comme dans le premier... Au final, ça reprend quand même quelques trucs du premier, hein, on va pas mentir. Quoi. Oui, oui, euh... oui le, le quatrième acte. Euh... Ouais, voilà, le quatrième acte comme ça, avec euh... qui a un petit côté slasher. Avec la, le, le... Souvent dans les slashers, on croit que le tueur est mort, et à la fin, il va se, re... il va se relever une dernière fois. Et là, il y, y a toujours ce petit côté-là dans les Aliens. Quoi. Et au final, non, la Reine Alien s'est glissée dans le... Comment on appelle ça déjà les, les pieds du vaisseau, euh, j'ai oublié. Ben, les pieds du vaisseau. <laughs> bon, voilà, elle, elle s'est cachée dans la soute, on va dire. Et cette scène, elle est vraiment maligne pour le coup, parce que c'est vraiment fait comme si un chessburster allait sortir de, de Bishop, alors que, enfin, tu sais que ce pas possible. Mais, euh, mais vraiment, à la mise en scène pendant les premières secondes, c'est, y crois limite la première fois, quoi. Et pile au moment où Ripley, justement, donne une approbation à Bishop en, lisant, en, 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 en acceptant. L'androïde, en acceptant le cyborg... Euh, pas l'androïde, euh, je veux dire le, 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 le cyborg, l'androïde, ben, peu importe. L'homme synthétique, je comme il se plaît à s'appeler. Ouais, voilà, vous savez, Burke, je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. elle elles, elles n'essaient pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric. et je vais pouvoir dire une phrase qui est dans le générique du podcast Get away from her, you bitch! Bitch! <rire> voilà. <laughs> qui est une de mes phrases, parce que dans le générique de début, on met, on met plein de petits sons, euh, parfois en VF, parfois en VO. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait replay, mais par contre, il faut que ce soit replay en VO qui dise ça, sinon... Parce que je crois que c'est... Euh... Éloigne-toi de la salle pute. Ouais. pute. Ouais, salle, je sais pas, non. sale ça pute, ça... Enfin, you bitch. De nos enfin, jours. Le you bitch, ça passe on mieux. On peut quoi. éviter. Ouais. Ne la touche pas, sale pute Et là, il y a une confrontation qui dure un peu trop longtemps pour moi, parce que voilà, je sais que vous voulez que le film dure longtemps, mais voilà, c'est la première fois que je dis un truc un petit peu négatif sur le film hein, depuis le début, quoi. <laughs> Et la reine meurt plus ou moins comme la, le alien du premier. Et... Dans un sas de décompression euh, tourné à, à l'horizontale plutôt que la verticale, ce qui fait que bah, si vous faites attention, bah, vous verrez que replay. Bah... Euh, les, euh, les bretelles de. Enfin, euh, ces bretelles, elles tombent vers le mur, ce qui pose un problème de gravité. <rire> ça <rire> devait être ça dur à... Ça devait être dur, justement. Je me, demand... Je me suis toujours demandé comment ils ont fait 2000 infos, trucs. Je me renseigne un jour, d'ailleurs. <laughs> Juste <rire> les scènes d'apesanteur de... de gravité, trucs comme ça, ça devait être super chiant Il y, y a des détails sur des plaques de verre. Ripley et Newt se mettent en super sommeil et tout est bien, qui finit bien. Jusqu'à ce que David Fincher arrive. <laughs> et voilà, on a fini Aliens. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Aliens De le revoir, de, euh, où est-ce que vous le placez par rapport aux autres Enfin, allons-y, quoi. On va, on va commencer avec toi, Loïc. <laughs> euh, C'est. Euh, oh merde, bah, du coup. Euh c'est un film classique, c'est un grand classique, c'est un des plus grands euh, des, des grands films de science-fiction jamais réalisés des années 80. Euh, c'est un film emblématique, c'est un film, c'est un, un pilier d'ailleurs, euh, je pourrais dire. Qui a tellement d'influence que ça a même influ euh, influencé la, la biologie de notre monde à nous, vu qu'une guêpe parasite a été euh, rebaptisée euh, Xenomorph. Qu'est-ce que je pourrais dire euh, C'est un film qui a été euh, validé. Euh, de, par même Predator 2, vu qu'on retrouve Bill Paxton dans Predator 2, ce qui est bizarre vu que le film The Predator valide l'univers de Predator. Tu m'as perdu. Coupé. <laughs> à... Tu m'as complètement perdu là. <laughs> je... Bah oui, mais en même temps, là, je, je me retrouve au dépourvu parce que moi, je me suis dit, je vais laisser parler d'Eve avant. Et... vrai que c'est ma faute maintenant. <laughs> pas ta fa... Non, mais bientôt, non, il va commencer faute, à dire. Mais... Tu sais, il va ouvrir Wikipédia, il va dire Alien, c'est un film sorti en 1996. <laughs> <C 'est> <laughs> Le 18 juillet. <laughs> non, c'est. Le, le film a beaucoup d'impact et euh, il a eu une telle, euh, comment dire, il a eu un tel impact sur le cinéma que même bah, quand ils ont voulu relancer euh, Predator euh, avec The Predator, il y avait une scène coupée où on, à la fin du film il y aurait dû y avoir un retour de Ripley et de Newt. Je vous jure, c'est pas une blague. <laughs> Ça a été filmé, The Predator, c'est celui avec Adrien Brody qui est sorti il n'y a pas longtemps là Non, 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 non. The Predator, le, le, le film de Shane Black. Ah le, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, à, mais oui Oui, parce que oui, là, tu avais, avais une scène de fin alternative où à la place okay. de, euh, ouais. un Iron Man euh, Predator, tu avais euh, les, les tueurs de Predator, c'était euh, Ripley qui avait un masque respirateur en forme de facehugger. Et, euh, oh, en plus, c'est subtil, pas... quoi. Ah ouais, ouais c'est carrément subtil. Oh, Newt. Et Newt, okay. qui se réveillait. Bon, voilà. Est-ce que, c'est -ce bon, est -ce ouais. est ton, euh, est-ce que c'est ton préféré des quatre ou des, pas des six préféré. plutôt C'est pas ton préféré des six En fait, à, à chaque fois que je batte le premier, et le deuxième, je, je... pendant longtemps, je me suis posé la question à savoir lequel des deux était mon préféré. Au final, mon préféré reste le premier, mais j'ai un amour profond pour le, pour le deuxième. Et je crois que mon amour des, des films, si je vais faire un classement, ça va vraiment avec l'ordre de sortie des films. Exception de Alien vs. Predator, euh, Predator EQM, qui lui est bien en dernier, mais bon, les AVP, ça, on ne les compte pas, apparemment. Non, non, je parlais des, je parlais des, des vrais, quoi, enfin, tu vois. <laughs> Techniquement, ça tenait qu'à moi, les vrais Aliens, c'est ceux avec Ripley, on ne parle pas des autres, et voilà, mais bon. Ah, moi non plus, AVP, un... pour moi, je ne les compte pas dans la saga, hein. Au moins, je compte pas promettre, c'est comme non plus, hein, après. Ouais, hein, mais euh, on est obligé, c'est Ridley et tout. tout. Enfin, ce serait, de, ce serait bizarre de les, de pas les faire, quoi, tu vois, ouais. tu vois. Ce serait bizarre de pas les faire. Et toi, Dave, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit Aliens, de le regarder sur ton téléphone en l'écoutant pendant que tu bosses? Euh, ben, que, déjà, enfin, le film a, a bientôt, euh, bientôt 40 ans et qu'il euh, passe toujours, mais, crème, quoi. Enfin, mon après, ça m'a fait sauter deux heures sans que je m'en rende compte. Alors que je le regardais même pas euh, en étant euh, super concentré, quoi. Mais euh, ça a juste fait filer le temps. 2h18. <laughs> oui. Mais ouais, non, c'est euh, toujours mon film de SF préféré. C'est mon film de la série Alien préférée C'est un film qui a posé les bases pour énormément euh, d'autres films qui sont arrivés après euh, et pour Hollywood. Euh, genre Carnosaur 2 par exemple, par exemple. <laughs> disponible sur Amazon Prime, je dis pas de bêtises. Oh merde <laughs> En tout cas, il y a le premier. Film. Mais ouais, non, c'est un monument euh, du cinéma et, euh, et c'est un de mes films préférés. Du coup, je, je ne peux qu'être élogieux. Pas Ça... Une minute en trop euh, dedans, quoi. Non, c'est clair, ouais, il passe bien. Il passe super bien. Mais je peux le dire en tant que personne qui l'a découvert, pour de vrai. Qu'il a un petit peu analysé, là, il y a quelques jours que. Enfin, j'ai passé toute la journée à lire des trucs dessus, à regarder des vidéos. Mais <laughs> euh, c'est une agréable surprise parce que je me disais, est-ce que ce que Cameron veut faire va passer avec moi maintenant, là Maintenant que j'ai un peu vieilli et tout, est-ce que ça va passer Et euh, au final, ça passe super bien. Bon, je préfère encore le premier. Je ne vais pas mentir, pour moi, le premier, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors que celui-là, c'est un très bon film. Ce qui est déjà vachement bien, quoi. <laughs> et ouais, c'est. Sigourney est incroyable. Euh, C'était très, très, très. Euh... Enfin, fallait oser sortir de, du, du film d'horreur, euh, essayer de rentrer euh, dans, un, dans un film plus d'action, euh, plus militariste, mais qui en même temps se prête parfaitement bien à l'univers d'Alien. Euh, si, si tu veux changer le sujet, que tu as intérêt à bien choisir ton sujet qui passe bien avec Alien, et je trouve que Cameron l'a vraiment parfaitement fait. Il y a des personnages très attachants. Ça, ça j'adore toujours quand, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un crew et que tu peux savoir qui est qui, et, et chacun a son rôle, même si je sais que c'est un peu des, des stéréotypes au final, mais mais pour ce genre de film, ça passe très très bien. Et vraiment, ouais, voilà, je suis, je sais que les gens vont s'attendre à ce que je ne l'aime pas parce que j'ai dit dans le premier épisode que je crois que je vais pas forcément adorer. Et ben bah, voilà, vous avez tort. <laughs> J'ai vachement bien aimé, c'était euh, super sympa et ça me fait vachement plaisir de découvrir des nouveaux films en regardant la saga parce que ça arrive pas souvent et surtout découvrir des grands films que j'aurais dû regarder depuis tellement longtemps. Voilà James Cameron, je t'enverrai 5 étoiles. C'est légitime. Ouais ça va, c'était cool. Même si c'était un connard. Ah James <laughs> Ouais, euh, c'était quoi la blague aux Oscars déjà qu'il y avait eu euh, je sais pas, pour moi, aux Oscars euh, reliés à James Cameron, c'est la fois où il a, ah, il a fait coller son poing dans la gueule à Ravenstein Mais oh, Bon, ça, ça va, il a le droit. <laughs> mais euh, non, c'était euh, quand euh, son ex-femme était nommée, Bigelow, elle, elle était nommée, et, ah, elle, oui. et je crois qu'elle a eu l'Oscar même d'ailleurs ce jour-là. Et en gros, euh, Tina Fey qui était sur scène, elle lui dit, euh, ouais, euh, Catherine Bigelow sait ce que c'est d'être prise en otage et enfermée avec un psychopathe puisqu'elle a vécu pendant des années avec James Cameron. Et, <laughs> et, et Bigelow, elle rigole. Et tu vois Cameron qui fait un peu une tête genre, ils il est genre deux rangs derrière elle en plus. Tu vois, c'est ça qui est drôle. <laughs> ça a l'air d'être infernal hein, voilà. tous les récits de tournage, clairement. Ouais, ouais, bon en tout cas, je sais tout. Ouais voilà, c'est un jeu, c'est tout quoi. Un peu comme nous, voilà. On est comme ça, sauf que nous, on n'a pas de talent, tu vois. <laughs> Exactement. Euh, J'ai rien dit à ce sujet-là. Pas mal pour un humain. Bon, bah merci à beaucoup à vous deux d'être venus. C'était super sympa, super intéressant. Vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube respective, Dave Sheck et Loïc Bian. Si vous aimez bien ce que je vous propose comme épisode en ce moment, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment ce que l'on fait en ce moment, et que vous voulez nous aider financièrement pour professionnaliser tout ça, planséquence.com slash planséquence... Non, merde. <laughs> Alors, c'est marrant, c'est que je fais une couille au tout début du podcast et une à la toute fin, tu vois, comme ça au moins le tu cercle la gardes, la, est voilà, la, Le cercle est bouclé, voilà, c'est la boucle est bouclée. Alors, patreon.com/slash plan séquence où vous pourrez découvrir nos épisodes en avance et des épisodes exclusifs inédits. Il y en a plein, faites-vous plaisir. Euh, un énorme merci à Derek et Barès, nos Oscars du meilleur patou. Et dans le prochain épisode, je retournerai en 1992 pour vous parler d'un film de David Fincher